soit Pouilleux et Pouilleuse et surtout Pouilleuse en cette journée des droits de la femme, bienvenue dans ce 52e épisode de Pouilleux Destruction. Pou! Of Destruction, podcast de discussion métal et divertissement métal maintenant, podcast 2.0 avec du, virtu, du visuel, euh, des lignes ouvertes. Euh, ce soir, euh, menu plus sur le régulier, euh, donc euh, deux, deux albums au menu à review, à critiquer et à écouter, évidemment, euh, pour vous qui ne l'avez pas encore écouté peut-être, et aussi évidemment un top 5, euh, c'est longtemps, euh, un petit top 5 euh, classique ce soir et qui a été un des plus difficiles, ma foi. Top 5 production métal, euh, c'est pas facile, évidemment, il euh, y a toutes sortes de productions, on peut Aimer des choses modernes, qu'on peut aimer des trucs plus old school, organiques. C'est pas, pas, le, pas le top 5 le plus facile à faire. Et euh, sur ce, je prendrai pas plus de temps avant d'inviter mon co-animateur, mon co-host, le co-fondateur de Pouya of Destruction, mesdames, messieurs. Je vous demande d'accueillir Dominique Tremblay, C-Dom, Sodom, Domination, Children of Bottom, To Rotten Dom, Dominicide. Je le rappelle, une fois, veuillez accueillir Dominique Tremblay, mesdames, messieurs! What? Euh, ouais, ça va. Boy, ça va. Euh, absolument bien. Moi aussi, ça va. En dehors d'un petit problème de mal de tête, de migraine bizarre qui dure depuis hier, il semble avoir une épidémie de migraine dans Montréal, c'est en site. Je ne sais pas ce qui se passe. Le on doit -être, op... ouais, être optimiste avec notre table à pique-nique euh, dimanche après-midi. Toi qui étais nu bras, astille, en train de célébrer le printemps. De savourer ton soleil. C'était des bons plans pour pogner le rhume. Là. Mais euh, merci aux kids qui ont déblayé la table à pique-nique au parc en face. Big up à vous. <laughs> ça nous a permis de partager quelques bières au soleil. -ce que ça fait longtemps qu'on avait fait ça. C'était très réconfortant. Euh, sinon, bien évidemment, il fait soif en tabarnak et ça me permet d'inviter le troisième membre de Pouilleur de Destruction, membre fantôme, disquaire cosmique, cultivé, méchant, mélomane et sympathique personnage qui est le Jeffrey Madame qui va nous présenter cette semaine une bière, nulle autre commandité nulle autre hey, commandité hey. que de, de, de panneur, la ressource de Boucherville qui commandit ce podcast, qu'est-ce que tu nous présentes comme bière ce soir, comment Mesdames et messieurs, ce soir c'est un ancien qui revient euh, Thierry, qui est euh, un, un bon Jack qui travaille à la ressource euh, c'est lui qui nous a fait de la sélection fait que, euh, voyons ce qu'il nous a euh... sélectionné Salut mon beau Max oh, 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 oh ben ouais, écoute, c'est oh, un classique pour moi. Oui, la mandure, la mandure, ben oui, je la connais. On la Solid, connaît. Très bien. Et ça, c'est hey, du m'abrasserie euh, à Rosemont. Mabrasserie à Rosemont, dont je m'ennuie fortement. Yes. Quelle belle place. 32 une de en en à en table. Et c'est leur hit. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le Man brasserie, c'est une de leurs best. Personnellement, en tout cas, c'est ma préf de cette place-là. Vraiment débile, cette bière là Dom, tu vas adorer. Mmh. Mmh. C'est nice, c'est la première fois qu'on a du ma oui, en effet, en effet. Cheers Thierry, les... c'est une excellente euh, sélection. D'homme qui avait peur qu'on ait de la blanche, il est comme, Merde, on n'a jamais de blanche encore, puis il y a eu ça pour mourir. Qu'est-ce qui arrive quand on va avoir de la blanche, puis on y avait peur. Dit, ça se peut, là, il ne nous en a jamais donné encore. <laughs> <C 'est>... Mais... <laughs> ah non, ça, c'est tout sur de la blanche, mon gars. Asti, c'est bon, ça. Mm. Ah, ça, là. Une petite brette. Chaque fois que je bois une brette, je pense. Euh... À mon bon vieux chum Brett, euh, Steph Breton euh, de Obscurcis Romancia, qu'on appelait tout le temps Brett. J'ai chié mon collet solide, mais j'aime ça la broue, ça va. T'as chié un collet. Un peu chié mon collet. Je l'aime un petit peu plus sur un peu pouce et mon demi. Mmh. Mais c'est de la crise de bonne gage. Content mmh. d'en boire mmh. ça. Ça me rappelle les petits ah, burgers végétaux. Ça, ça, ça augure bien ça. pour ce mmh. soir, pour la discussion, puisque c'est extrêmement rafraîchissant la, la mandrill. Et quelle hostie de belles canettes. Ben oui, hein. Oh et euh... saviez-vous que le mandril est euh, le singe le plus territorial et le plus violent Ouais, oh, il est métal. Oh, oui, c'est fucking métal, le mandrill, man. Ça niaise pas avec le POC, pas en tout. Là. <laughs> ça swingue. Tu en vite, vois ben. un dans ta vie, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit tu réussis à te pousser de peu, soit t'es mort. Genre ouais, <laughs> si non, c'est ça, ça peut vraiment te détruire. T'es un danger, hein. tu sais. Oui, je, 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 je suis un petit peu au courant de leur sauvagitude. Mais bon, euh, cette bière-là est tout à fait délicieuse. Merci aux dépanneurs la ressource. Merci à Thierry. Merci à toi, Jeff, Thierry, de nous présenter cette bière. On se nice. revoit dans pas très longtemps pour euh, nos reviews, évidemment. Qu'est-ce que tu. Oh Oh <laughs> Un beau brand. <laughs> je les aime, C'est un très beau brand. À tantôt, mon au Jeff. Voire. Au revoir. Au revoir. Donc, euh, ça nous permet de poursuivre en, en nouveauté cette semaine avec les petites nouveautés de la semaine et en introduction comme on fait d'habitude. Euh, écoutez, c'est la, la journée des droits de la femme. On va commencer avec un, un band all-woman, euh, très métal, qui s'appelle Crypta. Crypta euh, qui nous a sorti un nouveau clip cette semaine. Ce ne sera pas bien long, je vais aller nous chercher ça. Euh, ces bands qui sonne quand même old school, on va se le dire. Je trouve qu'ils ont, ont une recette qui n'est vraiment pas typique des bands de métal moderne. On tombe un petit peu plus dans le mid-90s, euh, fin 2000, un vocal excellent à mon sens. Puis les filles sont ultra badass. Euh, excusez, je ne suis vraiment pas rapide sur mes affaires à soir de share screen. Ça arrive, là. Et euh, bon, et un nouveau clip euh, tout frais, là, je ne sais pas trop il y a quel âge. Le clip, ça fait doit faire trois jours, même pas que ça sortit cette histoire-là. Et euh, bon, c'est un hasard, la journée de, de la femme. J'allais le mettre au menu pareil. C'est juste un excellent ben. C'est ça, exact. Euh, c'est pas une affaire que c'est All Woman. Il était au menu pareil. On en parle souvent hein, de ce ben-là. Euh, c'est quand même très apprécié chez les Pouilleurs Destruction. Leur son, l'attitude. Euh, L'intégrité métal qu'il y a dans ce produit-là est vraiment intéressante. On écoute euh, un court extrait, évidemment, hein, Fair Use, un hein, court extrait. On, on y va euh, avec euh, un petit 20 secondes, histoire qu'on se donne là-dedans, là-dessus. Oh, Ça fait donc ben dead, tu sais. Ouais. De toute façon, je pense qu'ils se sont jamais cachés d'inspiration à, 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 envers Chuck. C'est toujours trouvé que ce, ce Ben-là avait un petit ton de dette, justement. C'est sûrement ce qui m'a attiré vers le truc-là. C'est fucking solide. J'adore cette affaire-là. Euh, sinon, nos chums de Dark Funeral aussi On sorti un clip cette semaine. Euh, Encore? Euh, euh, on l'a déjà, déjà écouté. Non, non, je veux dire, ils en ont sorti un deuxième déjà. Ah, euh... ouais, c'est ça, il y avait un single, puis là, euh... le clips là à moins que tu me dises, ça se lui qu'on va passer, mais il ne semble pas. Non, ils sont non, voir, le saint jour 5 jours, Léviathan. Je pense, en fait, c'est le clip. Clips... Je vais passer à côté main-red. Ils ont sorti le single, puis là, ils viennent de sortir le clip, je pense. Ok, euh... puis à ton avis, c'est-tu meilleur que l'autre fois Je sais que tu avais été un peu déçu par la lenteur. Euh, plus black c'est pas mal plus euh, que, oui oui c'est pas mal plus entraînant mais il reste que Dark Funeral pas particulièrement mon shit mais c'est professionnel le clip est beau as fuck man sérieux euh, Puis bon euh, respect à Dark Funeral c'est juste tant qu'à écouter du black j'irais dans le plus pas fin un peu mais il faudrait bon, euh, euh, que écoutes le vieux Dark je Funeral je sais tout le monde Mais on va le mettre le rouge le Dark Funeral oui oui c'est plus que le temps hein. <laughs> ouais mais bon c'est vraiment pas mauvais c'est crissement bien fait Raison. Oh! You know? Ok, ouais. See what I mean? Ok, ça c'est cool. <laughs> ouais, non, ça, pis ça, la prod est, est ultra. Là. La prod est Hollywood as fuck. C'est super. Euh, mm. Tu sais, je l'écoute dans des petits écouteurs cheap, puis ça c'est nickel. C'est parfait. Vraiment très hot leur affaire euh, là-dessus. De là, ben, toute façon, ils... je pense que c'est un band qui est à un niveau de leur carrière qui n'ont plus rien approuver. prouver. Ils font ce qu'ils veulent, puis ils ont du fun. C'est du bon black metal. Euh, T'as-tu une nouveauté de ton côté à me proposer uh, Of course, uh, une petite nouveauté. Uh, je okay. n'ai sûrement raté quelques-unes, uh, comme d'habitude, mais un nouveau Hammerfall. Oh. Puis ouais. la pochette est aussi uh, ugly qu'elle pourrait l'être. J'ai vraiment, genre, fait <laughs> « Urk, urk !» Mais c'est donc, ben, je ne sais pas, les couleurs choisies... Là... Il a l'air d'un bonhomme de Tom McFarlane, mais dessiné cheap, genre. Je sais pas, il y, y, y a de quoi de BS là-dedans, c'est pas c'est pas c'est pas que le, le gars, n'a pas fait euh, pas essayé de faire un bon travail, mais on dirait que ça m'a comme fait, ah oh, man, ça fait donc Generic. générique, et bah ben, c'est Hammerfall, tu on les connaît, euh, c'est jamais des grandes surprises, c'est du métal très très solide, par contre, je dirais sur cet album-ci euh, si en particulier. Je vais écouter un cours avec ça à la botte dans le tas de l'album, là, juste qu'on se donne une idée. <laughs> on tombe sur l'affaire la plus cheesy! <laughs> yeah! Okay. Bon, ben. C'est très bien joué, Hammerfall, uh, uh, c'est vraiment un uh, ben pour les OG power Metalleux ceux-là qui veulent pas de compromis, tu uh, c'est... Euh, exactement, tous les clichés sont là. Les chorales de Moron, euh, le vocal aigu, euh, les ouais. solos qui finissent plus, le, le, la double pédale. Ils deviennent un stéréotype d'eux-mêmes, puis c'est ça qu'on veut d'eux autres. Ouais, <laughs> c'est ça. Je pense que qu ils prétendent pas à faire autre chose. C'est un band de Arena euh, Power Metal. Ouais. Je pense que Jeff Très a quoi dire sur Hammerfall. Moi, je voulais juste demander est-ce qu'il y a une tune qui s'appelle Let de Hammerfall Parce qu'il y a toujours une tune qui s'appelle Let de Hammerfall sur les albums de Hammerfall. Question. Euh, okay. J'allais voir mais parce que le qu long e listing doit être fait plus. Euh, J'aurais dû checker là, mais. mais non, mais non, uh, il n'y a rien de hammer fall, non. D'emblée, il mais... y a hammer dans Il y, y a hammer off down. Ah voilà. Euh, Sinon, c'est la seule qui a la meurtre dedans. Ouais. Mais la première hey, s'appelle Le marteau Hood. du matin. Hein? Le, ouais. le marteau <laughs> du matin, tout le monde. Le marteau du matin. <laughs> marteau dans, <laughs> les dans les mains. mains. Le, mar le marteau de <laughs> l'aube. Mais le marteau du matin, je trouve ça sonne mieux. J'aime mieux ça aussi. Hey, euh, on t'en revient dans pas long. Merci pour la Steve euh, Jeff. Euh, mais, mais, oui, New Septic Flesh cette semaine, guys. Septic Flesh, euh, que vous savez, dont je me suis pris d'affection durant le podcast, parce que c'est vraiment avec Pouillard Destruction que je suis devenu un fan de Septic Flesh. Et euh, bon, malheureusement, je vous dirais, ce qui est un petit peu plate, c'est que ça reste vraiment du Septic Flesh. Euh, je ne vais pas dire que les meilleurs albums sont derrière, mais bon, pour ce qui est de ce single-là qui vient de sortir, je suis comme, bah... Est-ce que c'est meilleur que ce que j'avais déjà entendu? Est-ce que ça change vraiment de ce que j'avais déjà entendu? On dirait vraiment une... pour les ceux qui connaissent cette ticket-là, j'avais fait Voyons, on crie, jai déjà entendu cette tune là <laughs> C'est très, très stéréotype euh, envers eux autres, mais le clip est d'un hostie de budget. Encore une fois, une affaire à la Denis Villeneuve, là, avec du désert, des sculptures, des costumes. Astique, les costumes sont rock là-dedans. Puis euh, bon, la toune Re Hero Fan s'est sortie il y a quatre jours. J'ai juste trouvé un bout à la fin parce que le style sorcier gluant, Astique, je trouve que le sorcier rock. C'est vraiment, euh, je trouve ça vraiment très cool du shit. Fait que là, il y a un enfant, puis là, il y a un sacrifice. C'est vraiment fucked up. Bon, c'est Flèche. Très, très God of War. <laughs> oui, vraiment. Euh... Écoute, je vais juste te trouver le sorcier parce que, sérieux, le costume rock tellement. là. Ah, c'est dommage, je le trouve pas. Ah, ça y est, là, l'espèce là, de doux dans Toge. En tout cas, c'est super evil, euh, super la production du clip. C'est vraiment le fun. Et j'aime ça que ce c'est flashback. Je vais quand même l'écouter, même si ça a l'air pareil que tout ce qu'ils ont fait. Mais, une dernière bon. nouveauté, que oui. je viens d'avoir un flashback. Je euh, right. n'ai pas écouté personnellement, c'est juste qu'on a voilà une couple d'épisodes, on a fait un review d'un vieil album de Primordial qui vient de sortir de quoi? 2022 tout frais. J'ai pas eu le temps de l'écouter, mais je me suis dit « Allons voir si euh, c'est devenu peut-être plus charmant pour toi avec le temps. » Euh, Rappelle-moi Primordial, c'est le truc instrumental. C'était quoi déjà Primordial C'était un euh, metal fold, black metal. Ah oh, oui, oui, je me rappelle. Euh... Ok, oui, je viens de voir la pochette de celui qu'on écoutait écouté. Là, c'est un, un album 2022. Oui, Week two weeks ago. Euh, non, ça, c'est Primordial Throne. Sorry. Je vais te trouver le titre. Euh... C'est Dark Romanticism. Ah, oh, c'est donc un beau titre. J'aime ça. J'aime ça beaucoup, moi, les, les romantismes sombres. That's my kind of thing. Euh, non, je le trouve dessus. C'est dessus. Hein? T'as peu. Je l'ai sur mon YouTube Music. Euh... Ah, excuse-moi, man. Je le cherche, c'est bien t'en Dark Romanticism. Y a-tu une pochette euh, avec un noir et blanc? C'est peut-être ça ici. Ouais. Ok, c est, c est, ça doit être ça ici. Tu me diras c'est ça. Ben, Est-ce qu'on dirait qu'ils ont juste sorti une cassette ou quoi? C'est <laughs> quoi l'affaire avec ce cover-là? C'est ça? Oh, t'as peu, non, c'est un classique. Euh, c'est un album de 93 réédité, excuse-moi. Oh, pour ça que ça a l'air d'une cassette de même. que moi le look que ça a. On l'écoute-tu pareil pour Mais oui, voir. Eh oui, Chris. Enter the. To enter Pagan, c'est-tu notre shit, tu penses? In my heart, burn, see my Dream, I burning my name. c'est un Chris de Okay, c'est vraiment comme un, leur démo. Là. Mais c'est ouais hot. carrément. Récris de black metal de sous-sol qui sonne de black metal de sous-sol. <laughs> Sorry. Je pensais qu'il y avait un nouveau primordial. J'ai vu ça de même. Alors, ben c'est chill. <laughs> euh, ça me permet de passer au dernier segment de cette introduction avec une petite hallucination musicale, évidemment. Euh, c'est des traditions hein, et on est très traditionnel là-dessus. Cette semaine, encore une fois, en parallèle avec euh, la, semaine, euh, la journée des droits de la femme, euh, c'est une euh, hallucination auditive qu'on retrouve dans Ginger. Euh, qui est l'idée par une talentueuse chanteuse, euh, qu'on va mettre d'ailleurs dans un match de lutte euh, qui arrive de plus en plus, match de lutte de filles. Ça s'en vient, les duels de filles métal. On va faire un super euh, fatal four-way complètement anarchique. Ça va vraiment être nice. Euh, pour l'instant, c'est dans la tune Sit state Rollover de Ginger. Et à la toute fin, elle va dire Tes fesses font du sens. C'est vraiment à la toute fin, là, 4 <laughs> minutes, 14, quelque chose de même, on entend bien comme il faut Tes fesses font du sens. Puis bon, euh, j'imagine <laughs> que ces fesses font du sens aussi, là, à, mon, à mon sens, à moi en tout cas. Euh, 4-14, 4-13, hein, on va mettre ça là-dedans. Écoute bien ça. The <laughs> tu as entendu? <laughs> Tes fesses font du sens. Faut vraiment que. Faut se concentrer un peu. Bon, on va l'écouter. Ah oh ouais, je l'ai entendu, solide. Il <laughs> là. Tes font sens. Alors, ça termine le segment introduction de Pouillé de destruction avec cette petite hallucination. Euh, ce soir au menu, euh, premier euh, album choisi. Euh, C'est une, une, une suggestion de notre cher chroniqueur maison, Maxime Pagé, euh, qui nous a suggéré euh, Discarnate, euh, un album qui s'appelle With Arder Might. Euh, j'ai hâte d'en parler, belle surprise de mon côté. Et euh, du côté à DOM, euh, on est allé dans quelque chose de beaucoup plus euh, old school, death metal, quelque chose que, qui, moi, était pas sous mon radar et qui aurait peut-être dû l'être depuis l'époque que ce bannard existe. Euh, Monstrosity, madame messieurs, avec l'album Millennium euh, avec un euh, autre Corps euh, Grindé euh, au Vocals. C'est très excellent aussi. On, on s'est gâtés hein, après Tristania et euh, The Sword. On s'est dit, bon, on niaisera pas cette semaine niveau violence, on y va à fond. Et niveau violence, ce groupe-là n'y a pas, pas en tout. Euh, Discarnate. D'ailleurs, cette semaine, deux crises de pochette Wack. Je sais pas ce qui se passe avec les pochettes. Là. mais... Ouais. Hey, J'ai gardé une canne de la pochette de Discarnate juste à côté de moi. Voici la, la pochette de Discarnate. Euh, J'imagine que c'est le même gars qui fait les cannes de Emporium euh, qui a fait. Euh... Mais pour vrai, tu as tellement raison parce que. L'album la, de Discarnate ressemble vraiment à une canne d'Emporium. C'est vraiment, vraiment ça. Euh, pour ceux qui connaissent la, la bière Emporium, qui est d'ailleurs dans nos brasseurs préférés ici si à Preuve discussion, de on les aime de gros, gros love. Euh, C'est ça. Alors, vous voyez cet album sur fond noir avec une espèce de, 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 de print euh, ombragé, ombrageux, silhouetteux, euh, doré et des lignes qui font très Emporium. Il ne faut pas se fier à cette pochette, mesdames, messieurs. Le truc rock sur un ostitan, à mon sens. Euh, pas de solo de git, évidemment. c'est pas un truc où la technique est de l'avant. On est vraiment dans une espèce de deathcore beaucoup plus raffiné avec des influences Godjira. J'ai l'impression d'écouter Godjira qui ont le goût de faire du hate breed, genre. Ça bounce. Ce ben-là bounce. Non fucking stop. C'est un petit 39 minutes extrêmement digeste. Et aucun feller, à mon sens, dans les tunes Chaque tune même les tunes que je pensais ah, moins bonnes que les autres m'arrivaient avec un petit breakdown ou un petit riff à un moment que j'avais mon goosebumps. Je me mais ouais, oh, sont donc bien efficaces au niveau du neck breaking. J'avais toujours le coup qui allait. Ça groove. C'est un bend qui groove. Il y a du bounce, sort tes chocs à l'air, puis le cadet décapotable, ça bounce c'est un ostitan, ce band là Puis ce qui est le fun, c'est qu'à l'inverse du deadcore traditionnel, bouncy, puis de l'attitude hardcore et de breed, bien là, le vocal est très traditionnel, death metal. Belle performance, variété entre les aigus. Je ne sais pas si c'est peut un autre gars qui fait les aigus, mais bon. Euh, son vocal est vraiment le fun. Audible, death metal, attitude. C'est un band qui est hors le bat, attitude, pesanteur. Production de Malade à Là, évidemment, c'est le premier album, j'écoute dans les nouvelles écouteurs, j'ai acheté à Dom. Mes nouvelles écouteurs s'en fiche je fais la vaisselle, j'écoute des bons albums avec ça. Ça fait toute une différence d'avoir des écouteurs de qualité. Mais ouais, c'est sûr que ça gagne. c'est un bon. C'est déjà un peu que j'écoute ça dans des bonnes écouteurs pour la première fois. Mais man, car que ça bande! Il n'y a pas une tune que j'étais comme pas. I saw live. Je prendrais mon chumbrum sur la peau, je comme merde On est de bang, le riff est fou. Juste un peu de polyrythmie, sans, euh, sans jamais aller dans le technique, puis dans le chien, dans l'intellectuel. On le reste dans le brutal le riffy, mais assez compliqué techniquement quand même pour dire OK, bon, c'est pas juste comme du Despice Icon, puis euh, tu sais, Chuggy Chuggy Breakdown. Là, on est vraiment dans un autre truc. C'est, à mon sens, je peux pas vous décrire ça mieux que Godzilla Meet Eight Breed. À mon sens. Genre. <laughs> je te laisse très, contre. très, très bien euh, analysé, mon cher Gab. C est, c est euh, pour moi, tu sais, moi aussi, euh, je connaissais pas du tout ce band-là. Euh, première impression euh, quand j'ai décollé l'album, euh, effectivement, ça sonne euh, très bien il s'agit d'un trio ce qui, ce qui est mmh. toujours impressionnant hein? le, le, quand le guitariste et le bassiste se splitent le vocal euh, avec un excellent drameur de ce genre-là qui n'a rien à envier à Monsieur Duplantier du groupe Gojira que tu as nommé tantôt mmh. effectivement on a, on a vraiment Gojira euh, slash euh, les trois derniers albums de Decapitated l'espèce de death metal mais groovy moderne hardcore mmh. euh, je dirais que cet album-là euh, énormément de qualité. Ces gars-là jouent en tabarnak. Tu, sais, tu disais que c'était pas particulièrement technique. Euh, je dirais le contraire. C'est juste que, euh, justement, comme sont la technique est au, au service des riffs et de la tune. la que... section rythmique, plus. Euh, euh, C'est ça. Peu. Tu sais, mais c est, c est, ça a l'air pas jouable pareil. Tu sais, tu sais, C'est tight as fuck. J'ai beaucoup apprécié euh, pour ça euh, des tunes comme Iron Strengthens Iron, gros hardcore shit. Hein, genre, au début, je n'étais pas sûr, puis au fil des tunes, ça l'a confirmé, l'influence, comme tu as dit, Breed et compagnie, Madball euh, et nos préférés, Propain. Ah, Propain, euh, man le Gas là, mais c'est ça. T'as gros, gros blast beats. Euh, euh, digne des meilleurs du death metal. Cependant, je dirais que. Euh, J'ai trouvé ça un peu generic, malgré tout. sais, c'était. Euh, justement le, c est, c est, on peut pas les en vouloir sont juste toi tu sais il le, y a pas de layering tant que ça c'est get mm -hmm. bass il euh, y, y a comme un maximum de choses que tu peux faire avec ce genre de formation là mais c'est totalement appréciable puis j'aurais pas de misère à conseiller cet album là euh, du monde qui veulent vraiment de quoi de moderne euh, bien joué bien pensé mais je pense pas que ça c'est pour moi au okay. final. Moi, je pense que extrêmement pour moi. Je pense que c'est dans les. Tu sais, ça fait beaucoup d'albums que je passe au podcast puis que souvent, euh, je fais Ah, je sais pas si je vais y venir tant que ça <laughs> ou si je vais y venir souvent. Cet album-là, euh, vu sa courte longueur, son efficacité, c'est comme. C'est sûr, j'y retourne. Sur moment donné, que je vais faire Ah, ouais, Discarnate, ça va me faire la dose que j'ai besoin. Etc. Parce que, en tout cas, oui, c'est technique, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la polyrythmie puis de la droite de guide comment c'est stédé puis que ça ajoute un double en innocent, c'est syncopé à ce fuck. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est pas ça qui est d'avant-plan. Ce qui est d'avant-plan, c'est juste le, le two-step, ça encore, le... <laughs> Ça gros, tu as le goût de danser au bout. Alors, on va écouter <coughs> un cours express ça te dérange pas avant que tu continues. Je... Ben oui, 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 ce que tu voulais dire, pardon. Non, je voulais juste dire que c'est un band du U.K., okay. Euh, ce qui m'a quand même surpris parce qu'ils n'ont euh, rien d'européen dans le son. Là. Le hardcore, euh, c'est pas le shit, les grosses prod euh, chimiques. Mm -hmm. ouais, la prod est, est fine, là, mais là, ça, ça sonne un petit peu trop euh... toulé. Ouais, c'est ça. Ouais. peut-être au niveau du drum, des fois j'entends les fils et je suis là. Euh... Mais c'est pas c'est pas si désagréable ouais. que ça. On va écouter euh, Iron, Strengthen, euh, Iron. Elles sont toutes bonnes, les tours, dans mon sens. J'avais pas vraiment particulièrement des préférés euh, À chaque fois, il y a des moments qui grouillent au bout. Sortez les chocs à l'air. La baisse, ça! Ok, on prenait un longtemps, fais attention. Mais vraiment, euh, puis tu vois, j'ai pas pris le temps, c'est plate un peu, j'ai manqué un peu de temps, mais as tu as-tu qui ont des petits vidéos live, Ben, euh, qui ont l'air très, très raffinées, genre euh, une 360 cam euh, dans le milieu du Ben, là, dans leur local, puis ils ont fait deux tunes euh, officielles vidéo avec cette formule-là. Euh, ça a l'air assez sacoche, peut-être ça va peut-être nous donner une idée de justement comment ça sonne. Ben oui, puis parce par comme j'allais te dire, euh, l'affaire, c'est que. J'aime pas ça me donner une. Aller voir le Ben live pour me faire une idée, tu sais. J'aime ça me garder la surprise. Ah, finalement, ces gars-là ressemblent à ça. Des fois, ça change un petit peu la notion ouais. des choses. Tu comme l'autre fois, genre, quand j'étais en train de. médium bâché de sort tu sais. J'avais une image de gros barbu, tu sais, mais apparemment que c'est même pas le cas, ça, ça, ça rend, ça rend l'exercice un petit peu plus drôle pour moi. Mais je t'avoue que tu me dises que c'est UK, je ne l'ai pas vu venir non plus. Là. Euh, let's go! Un petit extrait, écoute, c'est la même pièce. Non, c'est plate un peu. Excusez, guys. On n'ira pas avec la même pièce. Là. Euh, je vais y aller avec Backbreaker. C'est juste que les 360 cam dans le local. J'ai yes. trouvé bien beau. <médicatrice> Tu sais, quand je dis souvent que je suis hors le bord de baboune et tchatcha, ce, ce ben là est hors le baboune. Il n'y a pas beaucoup de tchatcha, mais il y a de la baboune en tabarnak, là. -bas. Il n'y a, a pas okay. de tchatcha, par contre. C'est vrai que ça manque peut-être de tout pas de pas ou de... Il n'y a aucun tchatcha, là. Il n'y a pas de hanche mouvement qui arrive. Ben, non, il y en a. C'est vrai. Eh hey, écoute, pour poursuivre là-dessus, euh, je vais éviter évidemment notre troisième membre ben Je suis curieux de savoir ce qu'il a pensé de ça, parce que ce n'est pas sa sauce, le truc art moderne de même. Mon Jeff, je suis très curieux de savoir ce que tu as pensé de ça. Oui, mais c'est plus du death metal avec une sauce hardcore que du hardcore à la sauce death metal. Euh, mm -hmm. Puis une facette que vous avez vraiment gravement oublié de parler, c'est Oh my god, le riff, man! Ben, L'inventivité le, dans, dans, dans le rhythm, dans, dans le rythme de leur picking est incroyable. C'est les gars. Meilleur exemple, drette l'intro de This Is Fire. Ça, ah a, oh, je sais euh, ouais, ce est elle est celle-là. Oui, elle aussi. Elle a un esti de gros vibe genre supra-death metal au début avec juste un esti de beau riff de Peking. Genre. On va faire attention, hein. je sais pas si ça compte plusieurs. Mais avance de genre 5-6 secondes. Ouais, mais ben, cette intro-là est très rap. Le ah, les chouette ah, à l'air, merde. Ah, yo! Man! Euh, guys, faut aller voir ça live. Ça passe à Montréal, là, on va aller This is consommer. fire! C'est super nice. J'ai vraiment aimé, aimé mon expérience de Discarney. C'est euh, très oui, nice. Moi, moi j'ai apprécié super gros l'album. Euh, malgré le fait qu'il y a un des deux chanteurs qui a une teinte vraiment plus hardcore, que, à un moment donné, je suis comme. Euh, J'aimerais mieux si tu tenais plus dans le dette. Mais le son, sa contrepartie est un petit peu plus. Euh, Shouted Death, euh, Limit Black, là, il, est, il est vraiment nice. Ouais, les Quand les il est plus aigu, c'est top notch. Mm -hmm. Mm -hmm. Trouvé aussi. Euh, Es-tu ready pour la note? Euh? Oui. oui. Ouais, écoute, moi, je te slap un bon, euh, un, un bon 6.5 parce que, bon, c'est moins ma sauce, mais euh, écoute, ça passe. C'est pouilleux as fuck. Euh, moi, j'y vais fort parce que je sais que j'y retourne euh, parce que c'est dansant, c'est trop mon genre de shit. Je pense que, je sais pas si Max Paget était au courant, moi c'est mon genre de shit, je vois avec un généreux 8, honnêtement. Euh, J'étais dans le 7.5, je l'ai réécouté une deuxième fois, j'ai fait, ben, il n'y a rien que je trouve mauvais là-dedans, c'est carrément mon genre de métal, que je tomberais là-dessus live. Je serais comme, waouh, quelle surprise! Mais bon, euh, c'est ça, 8 sur 10 de mon côté. Vas-y, mon dame All right. Comme je disais, c'est euh, pas euh, totalement ma sauce, euh, par contre. J'aurais pas de misère à, à conseiller cet album-là à qui que ce soit, que ça serait sa sauce, finalement. Hein. Euh, C'est pour ça que je donne un set. C'est comme la note des albums que, que j'aime beaucoup, mais que je réécouterai pas de mon propre gré, mais qui me déplaise totalement pas. Oui, puis il faut savoir que les échelles de notes, hein, c'est très personnel, encore une fois. Puis ah comme ouais. euh, la dernière fois, euh, tu sais, on en discutait, il y, y a Frank Labbé qui me disait Dido, do, tu donnes des 8 sur 10 à des trucs que tu dis toi-même, tu pas. Mais j'ai compris pourquoi. J'évalue les albums exactement comme j'évaluerais évalue, des devoirs de philo au cégep. Mm -hmm. C'est pas grave si je partage pas ton opinion ou ton idée. Est-ce que tu as bien structuré le shit Est-ce que tu as bien présenté tes affaires Est-ce que tes références sont bien sont logiques Ça marche Cool shit. Fait que des fois, des albums que oui, j'ai ouais. l'air généreux, c'est juste que dans mon sens, ben oui, ça serait 80% un travail de même. <laughs> ouais, ben voilà, voilà, <laughs> tu objectivité. Ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être beaucoup pas personnel, là, contrairement à beaucoup de reviews de podcasts que le monde, ils vont peut-être plus vraiment avec leur cœur. Moi, je suis très comme, c'est des devoirs métal. <laughs> Est-ce que ton devoir euh, métal ouais, ouais. est fait? <laughs> comme j'expliquais à mots. François, c'est un peu à tout le monde de faire sa propre note. Puis t'sais, 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 tu sais, tu le comprends tout de suite quand je donne un. un... Un 7.5 et, et plus à un album, tu sais, tu sais, tout de suite, j'ai aimé ça. Euh, Puis, genre, tu sais, je l'explique aussi quand je donne un, un, un 8 à quelque chose que moi, je ne pas, je vais te dire tout de suite, comme mon appréciation, c'est un 6.5 ouais. ou un, un 2 ou un 3. L'échelle est dure aussi hein, sur 10, ça ne donne pas tant de paliers d'appréciation que ça. Il y a, euh, Needle, ouais. Drop, Needle Drop il utilise la, la strong and uh, uh, strong and uh, pas strong comme dit weak. Là. Mettons, se peux dire hein, je donne un weak 7.5 ou je donne un strong 7.5. Ça fait que ça te donne déjà une nuance de plus que le 0.5 pour comme si tu veux grader tes affaires euh, plus précisément. Pourquoi pas tout pourquoi pas grader sur 20, tu euh... <laughs> Rendu là. Mais non, Mais on va s'en tenir à 10. Hein. Hey, Jeff, tu nous reviens pour le prochain album, ça sera pas bien long. et euh... Euh, non, en fait, non. avant de passer au prochain album... Ah avait... oui! Oui, tu voulais... Euh, avais un Écoute! Truc... Oui, on... j'ai oublié d'en parler, c'est vrai. Aujourd'hui, je scrollais euh, le les, les livre de face. dans mon grain pose de quoi? Fallait que je partage ça à la communauté pouilleuse. Écoute, c'est un de ces chums qui a, qui a gossé avec l'idée de faire des tunes de Joe Dassin en death metal. Ben, Chris, il l'a fait. C'est sur Bandcamp. Ça s'appelle Joe d'Assassin. Je le cherche, je le trouve chaque... oh, astie, peux Tu peux-tu m'envoyer un link dans, dans le private? Astie, je te, le trouve Oui, j'en ai oh. un. Euh... Ah non, mais faut en fait, là, si il faut l'écouter. Un... là. C'est trop malade, Joe d'Assassin. Sérieusement, c'est complètement un câble. C'est tellement beau et euh, bien réussi. Là. Faut... Hey, man, man. Les... Écoute, les, les, les pochettes, euh, pochettes d'albums euh, de... à l'esthétique euh, old school black metal... Euh, genre la même photo que Zeroxé 75 fois euh, jusqu'à temps que tu aies ah. vraiment comme juste du crude blanc sur du fond noir, noir, noir. Il euh, sur Magic. Euh, YouTube. C'est Joe Assassin ou Joe D'Assassin Joe D'Assassin, ici tu n'existais pas. Je l'ai trouvé, c'est beau. Excusez. Il était sur YouTube, bien plus facile à trouver que sur Bandcamp. All right. ouais. ah, je m'écris ça direct. Et euh, si ben, tu n'existais pas, qui est je crois l'ultimate ah, classique, ouais, voilà. je veux dire, on n'ira pas plus loin que ça. Euh. Um, ah, cest -ce la pochette? Aïe, ah, aïe, ce projet-là est hot, man. Seriously, là. Bravo à eux, hein? <laughs> Joe d'Assassin, Calice. Un petit extrait, il ne pas avoir trop de copyright là-dessus. C'est sous-vocal ce Non, c'est tout du petit, euh, du petit clavier. <laughs> <laughs> c'est gelé, que c'est gelé? C'est ha 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 C'est bon! C est c est <laughs> Ah c'est super divertissant en même temps. Euh, il vraiment JP, nice. JP Drassin qui nous dit c'est de la musique que sur le scale entre une distance infinie à l'intérieur de soi même. Eh, je dis, je garde, je vais le mettre. Ah fait. il dit sur le bandcamp il y a du vocal. Ah, pour vrai? Ouais. Ah écoute ben allez-y hein, la référence est faite puis allez ouais, dit, ouais... Man, allez écouter ça. Écoute c'est génial. Je suis vraiment jaloux de ne pas avoir pensé à ce pun-là avant ce gars-là. En parlant <laughs> de pun coup. et en parlant de conneries, euh, moi, il a fait, ça fait deux podcasts, j'oublie de vous référer à ça. Sûrement que tout le monde connaît, mais moi, je ne connaissais pas ça. Euh, Max Sabat tabarnak. Ben oui. Ben, t'es 10 ans en retard, par exemple. <laughs> je sais, man, mais calisse que ça me fait rire. Puis il y a une vidéo de Ozzy meet Max Abatt, là parce que son flow, je ne sais pas trop, là, ça doit être dans le télé-réalité à Ozzy. Là, non, c'est et... c'est fake. Hein? Ben non, non. C'est fake, ça. Ben non, il l'amène voir un show de Max Chick bien? Ok, ouais. Euh... Oh, That fuck. Ah, oh, non, c'est pas fake. Non, non, non. Vas-y, il rit, là. Vas-y, il... il fait comme « What the fuck? » <laughs> <laughs> <trying> to... <laughs> Max Sabat, même. <merde. rire> uh... Merci Roxane, euh, c'est Roxane qui m'a amené à référence. Je les ris en tabarnak. Grosse douceur qui joue de la grosse, la grosse jazz bass. Ah oui. En tout cas, ils ont des de Black Sabbath. Les shows sont débiles peut-être. Puis euh, bon, c'est Max Sabbath, l'humour est là. Puis c'est ça, il y a... le mythosie est quand même cool. Hey, J'ai enlevé le Discarnate. Est ça? On est vraiment oh. dans, dans le même genre de band que Beatallica. Euh, euh... Ah, ouais. c'est hot, ça. Oui, J'ai euh... vu que Beatallica vienne. Hey. Euh... Faut, faut que je vous sorte euh, la date. What? Mais Bitalica viennent à Montréal au Canabard. Oh. Ben non. Mais ben. ben voyons donc. Ben camp, man. On se commande des billets tout de suite, man. Voyons donc. C'est donc, ben hot, ben oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitalica, c'est un band qui font des covers de Beatles et de Metallica en même temps. Euh, J'essaie je de vous trouver un, un extrait rapide, mais tout le monde connaît ça aussi. On parle d'un truc de Vladisan encore, là, mais. Euh plus que -gab. Ouais, c'est vieux, Beatle pré-Internet, ça... man. Pas pré-Internet, mais début Internet. Sérieux, les gars, ils étaient les premiers. C'est super genius, hein? L'imitation d'Ed le mix d'harmonie entre les tunes de Metallica et de, Be de Beatle qu'ils ont pu faire. Moi, je trouve ça fucking genius. On écoute un extrait. I'm, yeah, C'est tellement bien fait. Astix c'est ça, ça vient au Piranha. On y va en tabarnak. Ben oui, c'est les, les OG euh, déconneurs. 20 mai, euh, 20 mai au Piranha Bar. Confirmé par voilà. le chroniqueur. Hey, qu'on va y être. Et qu'on va y être. Euh, on s'en va dans pas très long, mon Jeff, avec le prochain album. Puis merci beaucoup pour euh, ben tout ce tu Ça, 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 ça travaille bien. Ça travaille bien entre nos deux albums. Prochain album au menu ce soir, choisi par notre cher Dom. Un truc qui date de quelle année, excuse-moi, d'homme, oh, est-ce 1996. Maintenant? Wow! On recule dans le temps et ça fait du bien, mesdames, messieurs. Old school death metal à sa grande sauce. Mais un petit peu différent. Évidemment, pour moi, le défi euh, quand j'ai écouté Monstrosity était de comment on peut les distinguer, euh, comme à travers tout ce Death Metal des années 90 que j'ai consommé, euh, qu'on parle de Suffocation, Cannibal Corpse ou autre, euh, en quoi Monstrosity pourrait se distinguer. Et euh, je leur ai trouvé un petit avantage sur les autres, c'est qu'ils sont très énervés. C'est vraiment hyper actif du fucking Monstrosity. Et c'est zéro mélodique aussi. Donc, on parle vraiment de Red Dead Metal. Tu sais, genre, on est là, ça riff, là. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de, de la grandiloquence, pas en tout. Puis, c'est tout pas, tout pas. Il euh, y a du tcha cha il y a de la baboune. Il euh, y a une prod qui sent les plantes, comment c'est organique. Je veux dire, on est organique, bio, sans gluten. Dit, <laughs> la prod, à son, la, 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 la barre crunchy, nature, que peu de sucre. Là. Ça a pur rapport à comment on est organique. Euh, on dirait que tout est joué live. Puis le drummer est impressionnant par son énervitude. C'est énervé, cette Ben là guys. Je te laisse continuer, Don. Absolument, euh, D'ailleurs, c'est ça. Après, après vous avoir suggéré de quoi de très différent de nos trucs euh, habituels, je, 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 je... après Tristania, là, je me suis dit, <laughs> oh, on va revenir à, à de quoi de... de... Pour notre podcast, on va se le dire, on est des doutes de musique de. Avec des oeufs de Pâques. <rire> euh... <rire> on peut en parler, là. Oups, je commencer par ça, bien ça bien parce que Carlis, les oeufs. Excusez. Le portal. Écoute, ah. c'est dégueulasse. Euh, je, ça me surprend que je ne l'ai pas mis dans mes, dans mon top 5 pochettes lettres. Sincèrement. Il aurait dû y être, en effet. Euh, mais t'en as déjà parlé au podcast de cette laideur de pochette-là. On dirait des fucking œufs dans lesquels vont naître des bistoires transformeurs. Je ne sais pas si tu te souviens du show Bistoire. C'est oh. ça, les bistoires naissent là-dedans, C'est un portal vers les œufs de bistoires transformeurs mm -hmm. de Palk. I guess. Donc des lapins transformeurs et des hosties de en chocolat transformeurs. Euh. Parlant de Pâques, je profite de cette parenthèse pour vous rappeler que cette année, la Pâques sera anal chez Pouilleur Destruction. Et je pense que je peux maintenant l'annoncer, au lieu de dire juste des conneries mystérieuses comme la Pâques va être anal. Il va y avoir un show d'Analister à Pouilleur Destruction, à Pâques. Et Analister vont être avec nous autres au podcast. Ça va être sick. Ça s'en vient, guys. Stay tuned, la Pâques anal. Excuse-moi, on continue dans mon Monstrosity. <laughs> Écoute, Monstrosity, je trouve que au, au même niveau que Riot, qui aurait dû selon moi, du moins avec les, la qualité des, des musiciens qui ont, la qualité des tunes et du bem, aurait dû être peut-être un petit peu en dessous d'Iron Maiden, mais pas loin. T'sais. Mais c'est la même chose pour moi avec Monstrosity. Je pense qu'avec un album comme celui-là et euh, aussi le premier, une hein, Imperial Dome, Super bon. Euh, une Dark purity juste après. Écœurant. Euh, je pense que le Ben, euh, est que leur gros défaut, c'est qu'ils ont non seulement des pochettes pas trop inspirantes, mais aussi Celle-là, des... c'est dégueulasse. Là. Ouais, ouais c'est ça. ça bon On pourrait. Hey, comment ils peuvent avoir regardé ça avec du recul et se prendre au sérieux? Les petits cris de nuages dans le portail hey, Tout est fucking laid là-dessus. Là. excusez là, je le regarde et je vous la montre. Hey, Amen. Jesus Christ. Là. Seriously, c'est comme. En tout cas, hey, c'est tellement dommage parce qu'effectivement, il faut que tu fasses abstraction de ça parce qu'on dirait que ça rend l'album moins bon si tu regardes la pochette en même temps. Tu sais, quand tu euh, rendu ouais. là, là c'est comme. Fuck, arrêtez, guys. Réédite. Why? Alors, on va leur écrire un mail. Bonjour, nous sommes pour une discussion. Cet album mérite un réédit de pochette. C'est de la fucking dash votre affaire. Ah, c'est pas oui. bon, ça. Sorry. OK. <laughs> Au niveau de, Nari de Narita, effectivement. C'est là... C'est vrai que les comparaisons Riot, Monstrosity, je comprends exactement ce ça en va avec ça. Le même underestimate shit, Riot aurait pu être euh, Iron Maiden comme euh, Monstrosity aurait pu être Cannibal. C'est ça, quoi, quoi. Juste que, ce que je trouve dommage, c'est que euh, Monstrosity, ils n'ont jamais eu de thématique excuse moi continue, je t'écoute, je suis quand même juste à montrer mon pot de crème glacée à Jeff Mudd Oh, damn. Shit's going on. <rire> <rire> ok. Bref, excuse moi Je, je trouve que, leur gros défaut majeur, c'est leur manque de thématique plus particulière, tu sais. Euh, on se rappelle que D Side avait justement le Satan shit de l'Ubar, tu sais, avec Animal Corp, qui était un gore genre, shit. Gore shit, exactement. Monstrosity, c'était les œufs de pâques. <laughs> et même les, les autres pochettes sont weird. Euh, tu sais, Fatal Millennium, Devius Instinct, Manic, Dream Messiah. On dirait qu'ils sont pas mal <Harry> de se brancher entre les trucs euh, violents et les trucs weird, prog. Euh, Puis c'est pas la fin du monde parce que cet album là, il là, est bon en... sur un assez de temps. Euh, pis... Une première chose frappante à part la prod de, de Scott Burns euh, à son meilleur, c'est que les guitares, c'est vraiment pas du heavy shit, là, c'est. Tu on est, c est standard, pas, mais, à part des sides, il n'y a pas de band qui ose faire ça. C'est très c est, c est, faut être brave, tu sais, parce que c'est facile de prendre ta guide et faire jusqu'au temps que ça sonne comme Mortician. Là, mais faire des, des riffs heavy comme Monstrosity le font, euh, dans ce tune-là, je trouve que c'est ça, c'est de la bravo. Puis, euh, Carlis, l'album s'écoute tout seul. Euh, je vais écouter un extrait. Euh, je pense que Jeff avait de quoi à dire, oui, je ne sais pas trop. Bah, J'ai plein de choses à dire sur Monstrosity puis cet album-là. OK. ben avant là, tout, je voulais mettre de conclure ouais, avec... Bah, bah, à, à, amène l'extrait, là. Oui, Faut puis que je, je voulais juste mettre de conclure. Là, là, on va écouter... Corpse Grinder avec Monstrosity. C'est ben, la première ouais. affaire, évidemment, qui m'a sauté à l'oreille en tant que gars qui connaît pas ça. Je suis, hey, ben oui, ok, c'est le dernier album de Corpse Grinder avec Monstrosity. Est-ce que Monstrosity, quand il y a d'autres chanteurs, ça, 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 ça a le même swag ou Ça sonne en tabarnak. Mais c'est comme un gars qui sonne comme C'est Corpse Grinder, habituellement. Non, il a sa propre voix, mais ça sonne en tabarnak. T'écouteras une Dark Purity. Ok, euh, écoute. J'allais je, 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 mettre un court extrait, guys, ça ne sera pas long. Euh, moi, la tune qui me fait triper, c'est Manic il y a vraiment oh ouais, un solide il y, a, il y a comme un assez stéréotype de... De comment commencer une tune de death metal là. tu sais ça ça pourrait être euh, académique. genre bonjour les jeunes vous voulez savoir comment, comment starter une tune de death metal en gros mongol crasseux Amen. Hey, man tu sais tu le riff là, tchim, 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 tchim. puis il y a juste un petit blast beat en tout cas écoutez cette tune là guys putain de cheddar j'adorais ça sorry Ok, je vais arrêter, je vais arrêter, c'est vrai. Ah oui, arrête. Et... Ah. Mais, pour vrai que dire, Intro, ça slap. Dream, 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 dream. slap de la bass de Kelly Conlon. Kelly Conlon qui a enregistré la bass aussi sur Symbolic. Hein? Cet album-là, guys, c'est un son qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Pour voilà. vrai, même ceux qui ah, essayent le plus possible d'être old oui. school pourront pas être aussi old school que ça au niveau production. Je pense à des groupes comme, euh, mettons, Gruesome, qui essayent vraiment d'avoir le old school floridien sound et tout. Mais cette, cette texture-là sonne le vieux gear aussi. Il sonne la vieille technologie ah. qu'on a plus aujourd'hui. Euh, tu peux plus avoir ce, ce, ce ton-là sec, thin et vraiment agressant, mais le fun, là, tu sais. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauté tout de suite à la fin. Ah, du bon vieux old school death metal. Euh... Petit détail euh, que, que j'allais dire tantôt, c'est que c'est le dernier album de cop Grinder avec Monstrosity. C'était son band d'origine avant de switcher à Cannibal. Pendant hein? qu'il hein? tapait euh, Vile de Cannibal Corpse, il tapait son dernier album avec Monstrosity. Puis euh, un petit on les... comme des verts. Sorry. Euh, les, puis. Les... De... <laughs> Euh, Puis, euh, c'est ça, le, le, le chanteur de l'autre album d'après, euh, Jason Avery, il a fait des bacs vocales sur Millennium aussi. Fait ils sont comme passé le flambeau. Euh, Puis, on sait tous que ce, que, ce qui est arrivé, c'est que Bunstrozity, avec le autres de Pâques, euh, ils n'ont pas fait euh, grand-chose. Puis, Can Corps, ils ont continué, continué à lever les hops. Et Dieu sait que ce qui a aidé Cannibal Corpse à level up, c'est les scandales qu'on qu ont créés avec les hosties de pochettes de mon gars aussi. <laughs> yeah. C'est là que tu voyais que la violence value au niveau de l'esthétique, c'est quelque chose. Si on avait un autre euh, petit extrait de cet album-là, évidemment, moi, album là je l'ai mis mais avec... Euh, faudrait écouter du Corps Grind chanté. Euh, franchement, yeah. Resolution, il me semble qu'elle est nice en bon, bon, mais euh, Manipulation, mais... Strain, c'est nice aussi. OK, je vais mettre Manipulation un petit peu dans le milieu, juste que vous écoutez euh, le delivery de Corpse Grindé là-dessus. Euh, fucking intéressant. Bien. Fucking bon. C'est comme ce grain classique, là, on le reconnaît. Là. Voyons, tabarnak, je suis bien raisin, excusez. C'est vrai que t'es raisin. Ouais, à soir, oui. C'est comme ce grain. Comme Il y a d'ailleurs oui? une toune sur l'album qui s'appelle « Mirror of Raisin oh ». Ah <gél Breathing> ok. man, tu sais, Pouilleux, Off Destruction, là, cette étiquette-là maintenant, que les Pouilleux, se plus à la mode, puis que tout est hybride, qu'on est tous des Pouilleux, musiciens, et rappeurs, puis que ça a plus rappeur, il devrait quand même avoir la section Pouilleux. Tu sais, s'il y a une section Black Metal, toute section Pouilleux, tu as ces bandes, là, tu sais. Obituary, arrive toutes les petites bandes de skinny jeans déchirés puis de ouais c'est un autre de, de ouais, bande avec de des pompes blanches puis des de grosses longues genre ouais la vraie pouilleuse des années comme on aime ouais. exact ah wow euh, vous êtes prêt à poursuivre pour la note moi je suis down Alors, hein, mais... à moins que tu aies d'autres choses à rajouter mon Une euh, dernière chose ben euh, oui absolument euh, euh, t'as des vidéos de Lee Harrison qui traquent euh, cet album là parce qu'il y a pas de trigger puis le drummer euh, Il n'y euh, a pas de click track. Il euh, n'y a rien de tout ça. C'est du, du drumming de death metal A1 sur toute la ligne. Puis tu vas voir, je pense qu'il y a une vidéo qui track Dream Messiah qui est ma tonne préférée mm. de cet album-là. Je ne suis probablement pas tout seul à capoter là-dessus. Euh... Non, le drum me sauté à l'oreille aussi. Je suis d'accord, oh, liste que ce gars-là, il est énervé. Ça n'a pas de sens. Allons-y avec un une take de Saturne là. Justement. Il pas l'air énervé. Non, très précis. Hein. Ah, c'est les tunes sont en tout cas. Je trouve qu'il y, y a un style agressif pareil au niveau de comment de, 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 de le drumming est comme. Tout à fait, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Merci pour ce doigt là j'ai tout complet. Euh, ouais, il y a des tunes là-dessus qui sont tellement hot. Là, la la tune d'intro, parce que la première pièce est vraiment haute la manière que le riff rentre au début. C'est un gros tout pas de passe C'est vraiment le fun. Cha-cha euh, Baboon, all the way. Pouilleux, all the way. Et pour tout ça, je vais y donner. Tout comme l'album de Discarnate, un 8 sur 10. C'est vraiment du bon entertaining cette semaine. C'est du bon 80%. C'est au-delà de la moyenne. C'est du bon shit. Euh, Puis ouais, je vais me pencher sur Monstrosity, il faut enlever nos stéréotypes et nos préjugés de pochette de marde. Mais celle-là est grave. Là. Je veux tu peux. On peut totalement excuser n'importe qui qui a pas jeté une oreille là-dessus. La pochette elle donne le goût de s'enfuir. Mais bon. <laughs> Qui m'amène à ma note finale sur cet album. J'ai hésité à y donner une note. Puis, genre, regardé la pochette, je me suis dit, c'est un œuf. Oh, oh. man. Hey, oh. oh, hey, applaudissements à ouais. toi là-dessus. Là. Seriously. Ah, wow. Vraiment wow. fort. Vraiment oui, fort. fort. Il est même, vraiment ça, fort. Fait que ça marche. Mmh. <laughs> c'est un on One encore. Ah non, mais ce, ce pas là kick des has. Tout euh... <laughs> Euh, ben, De ton côté, Jeff, est-ce que tu y vas aussi fort? Est-ce que tu m'en rejoins? Ah, moi, je suis un peu moins fort que vous autres. J'y vais avec un 7.5 fort. <laughs> Mais, euh, la simple et unique raison, c'est parce que moi, personnellement, je préfère une Dark Purity de Monstrosity. On va se taper ça au pique-nique parce que, guys, commence à faire beau. Les pique-niques vont revenir avant oh. longtemps. Et aussi les bières au. Euh... Ça, ça sent le weed en Nesti, ça Qu'est-ce que tu bois dedans, man? C'est une old school IPA. Peux-tu nous montrer ouais, la pochette? Avec le chat euh, qui semble faire du skateboard. Okay, C'est nice, man. Euh, bon nice. vieux Noctem. Dieu sait que ben ouais, Noctem, on l'aime knock on mon hey, doux, Ah, fuck, ouais. ok, je me renverse tout ça dessus, comme un cave. Euh, Pendant tout ça, Carlotte euh, oh. de te renverser des choses dessus, Dom, euh, tu peux-tu nous montrer le T-shirt y a sur le dos, juste parce que je vais profiter du podcast pour faire une, une dernière euh, promo pour le T-shirt de Pouille Destruction. Alors, oui. euh, c'est le T-shirt Dominican Thirst, euh, parodie euh, de Dark Throne, 36 Violent Hunger, que Dom porte fièrement. C'est tellement méthode de voir d'hommes porter le t-shirt. <laughs> Alors le jeu, as, le t-shirt t'as 20 de l'or. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, euh, sur euh, Messenger, sur ma page privée ou whatever. Puis euh, ben, c'est ça. Le t-shirt à 20$. Euh, je vous le ship souvent euh, quand je peux euh, moi-même, sinon je le le dans en poste. Évidemment, si c'est international ou je sais pas, Saguenay ou c'est loin que c'est un coup de shipping. Là. Euh, je vais le faire à 30 dans ce optique-là parce qu'il faut que j'achète une petite box. les tout Mais sinon, il n'y a pas de trouble. Euh, c'est ça. Vous m'écrivez, puis c'est un petit beau t-shirt. On est bien content. Jeff, je t'envoie dans pas très longtemps pour le top 5. quest le gros top 5? Merci toujours de ta belle présence et tout au beau point de Power Ranger. Et euh, j'ai rien d'autre en traveling. Si j'ai tout passé mes travelling. fait que, écoute, on va passer direct au top 5. Je voulais juste dire non, c'est ça. Non seulement des t-shirts. Guys, euh, ce mois-ci, l'invité de On prend toujours une métal zone pour la vie sera Gronibar. Ça se passe le 26 mars. Évidemment, pour nous, ça va être à 3h l'après-midi et 21h là-bas en France. Et euh, ça va être un moment magique pour nous. Ça risque d'être disgracieux, vulgaire à souhait. Et Chris m'en pas euh, safe for work. Alors, euh, <laughs> t'en es là pour dire 26 mars gros nibar meet pouilleux of destruction. C'est la chose la plus raisin que moi Dom, on pouvait s'imaginer qu'elle l'arrivée de ce podcast là. Chris, que c'est magique. Qu'est-ce que tu bois? Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon. T'aimes vraiment ça? Non, non, je la trouve euh, sérieux. Je trouve extraordinaire. Euh, <laughs> ah, Ben, octobre hein. Euh, c'est la première qui micro. est, 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 est correcte, mais comparé à toutes les autres que j'ai essayées jusqu'à maintenant, la, la old school IPA, c'est <laughs> euh, correct. correct ah. Ça va. Ça va, tu sais, j'aurais pu boire la... une 50, puis j'aurais aimé ça autant. Ça ben oui. Tu rappelle-toi Dominique Hunter, ce qui buvait la pape, <laughs> c'est qu'il s'encaillissait. Alors qu'on s'encaillissait, les <laughs> temps ont changé big time. Hey, D'ailleurs, parlant de commandite, euh, j'ai vraiment le goût d'éventuellement faire des trucs avec le mutoïde. Ça en vient, il faut que je parle aux boys du, du, du mitoyen. Karaoke, faire... okay, man. Si on move le karaoke ouais, mental, on, right on, on in the le il faut penser à de quoi. Et, euh, aussi, je parlais, euh, on parlait T-shirt. Euh, je projette éventuellement de faire un T-shirt dépanneur la ressource, pour y de destruction, qui pourrait être en vente au dépanneur de la ressource pour nos fans de Boucherville. Euh, ça pourrait être fucking intéressant. On, on garde un, un, un petit mojo là-dessus. Euh, ça me fait penser à notre top 5. Top 5 production. Hey, top 5 production, c'était pas facile. Comme on l'a dit au début, hein, euh, c'est une question de goût. Hein, aussi, il y a des gens qui aiment les trucs qui sonnent à fucking dash à mon oreille à moi, puis qui vont dire, ben non, c'est merveilleux. Puis je vais faire, ah non, moi je trouve ça grassouillet, puis je trouve que les l'EQ est mal balanced. Whatever, tu sais. Il y, y a plein de raisons de ne pas aimer ou aimer des productions. Donc je pense que ça va être très personnel. Puis moi, ça, ça s'est avéré être beaucoup de classiques mainstream. Je m'en veux peut-être un peu, mais peut-être que ces albums-là sont devenus des classiques mainstream par le fait qu'ils ont des productions putain de géniales aussi, tu c'est ça de mon côté. Ça doit être top de te aussi, j'imagine. Hey, tabarnak, j'ai une liste, là. Non, c'est incroyable. Deux pages, <laughs> là, juste des, des albums <laughs> que, 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 qui que je trouve attirant par le, leur production. Euh, finalement, le, mon top 5 a été euh, malheureusement un petit peu random. C'est des exemples que des, des trucs que j'aime, mais ce n'est pas un top 5 définitif. Pour moi, la musique gagne tout le temps. Mais une, produ une bonne prod, c'est comme un nice bonus. Ouais, ben aussi, on te fait préciser qu'on parle vraiment de son. Hein. On aurait pu parler de production de clips, production au niveau de tout l'ensemble de l'album qui comprend aussi la distribution, la, 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 la pochette, etc. là Là, on parle vraiment de studio. Hein. On parle production studio, le gars... T'sais, on va avoir des name drops, évidemment. Il y a des gars classiques. T'sais, on peut juste parler de, de Ruben, t'sais, qui est super classique là-dedans, qui a fini par faire de la marde avec M&M. Mais bon, c'est une autre histoire. Euh, mais c'est ça. Il y a des producers aussi qui sont classiques dans la culture, qui sont des gars réputés pour pondre des hosties de shadow en général. Euh, on peut commencer. C'est parti. Euh, dans la cinquième position. Tu veux commencer ou je commence? Puis, euh, ouais, puis, le fasse, là, whatever. Mais non, on commence, J'aime l'ancer, j'aime Gros classique. Puis, évidemment, ce soir, on va être prudents, ces extraits, vu qu'on écoute crissement des trucs mainstream. De toute façon, c'est des trucs qui n'ont pas nécessairement besoin euh, d'être écoutés. Mais là, de toute façon, ça sonne le cul, hein, sur le podcast. Fait que, rendu là, euh, allez écouter les trucs qu'on réfère si vraiment vous voulez vous faire une idée de la prod. C'est ça qui est un peu ironique. Là, on le sait que ça sonne le cul. Mais moi, quand j'étais jeune et que j'ai découvert, euh, j'étais, en fait, non, mais j'étais dans ma découverte euh, du groupe Pantera. Et que j'ai découvert l'album Far Beyond Driven, dont la première presse déchire des fucking ass. Cette production, le son de la base, l'uniformité, le. Comment je pourrais dire Je vais dire le, 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 le cliché que ça représente, comment que l'album part, la bonne. Astique cet album-là niveau prod. On dirait qu'il n'aide la coche de Cowboy From Hell, un peu, puis de vulgaire. Alors, on arrivait à un moment où on fait oh shit, ok. C'est le début de la modernité dans les 90s, si vous voulez. <laughs> Puis ça vient vraiment me chercher. Puis c'est vraiment bon. Puis je m'en souviens d'être kid. Moi, je suis allé pas mal en ordre chronologique, niveau Panteron à ma vie, au niveau de l'écouter. C'était euh, pas mal en ordre chronologique. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait Oh tabarnak, que c'est hot. Puis bon, euh, c'est le, dé le début de l'era euh, Coco, euh, short, euh, short camo, euh, tu sais, genre le look plus néo métalliste si on veut, là, de tout ça. Écoute un coup. Ben, juste, juste le début de l'album, gars. Je vais pas l'écouter longtemps, là. C'est j'ai écouté ça. <rire> <rire> Stop, c'est Pantera, Gab. Ah, <laughs> oh, 22 secondes. On est resté dans le 28. Oh, j'espère. Hey, oh, ouh. ah, oh, oh, oh. Ah, si je joue dangereusement, t'as euh... raison. Hey, je suis dangereux. Je me laisse emporter en plus. Je me laisse emporter par, par ce bon Pantherox. Ça fait mille J'ai le crise dans le top 5 production. Puis je sais dans mes souvenirs que c'est quelque chose qui m'a sauté à la face. Que ça sonne trop bien, cet album-là. Je pas être plus d'accord que ça avec toi, man. Ouais. Euh, la, 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 la façon que le drum de Viney Paul sonne, euh, ce n'est pas, pas du triggering. T'sais. Lui, il mettait une grosse calice de, de pièces sur ses bass drums pour que ça claque plus. Des petites affaires qui se faisaient que, que bien des bandes sont mis à faire après, mais lui, c'était Je pense que c'était l'investigateur de ça. En tout cas. <laughs> bon, ce, bon, ce, bon. Ce, cet album-là, effectivement, euh, comme bien des albums de Pantera, sonne fucking bien. Mais je dirais que niveau prod, t'as absolument raison. C'est le meilleur. Yeah. ce que c'est une entrée commune. Non. Ok, ok, ok. okay. Ben, c'est ma cinquième position. Moi, je voulais piger dans un Pantera. Comme tu dis, Pantera, c'est toujours la sauce niveau production. c'est lequel vraiment? C'est nickel. Là. Tu as ça saute à la face. Comment que c'est de la grosse bombe? Il y a du cash inject dans ce son-là. <laughs> c'est all right. C'est bon. euh, ouais, que c'est bon. Ouais, c'est ça. Entrée numéro 5 de mon côté. Far Beyond Driven. Pantera. De ton côté, mon homme. Euh, all right, Numéro 5. Euh, la best prod que j'appellerais la prod Pudding Showmer. <laughs> par sa consistance et sa douceur, euh, puis son... de euh, over the topness, euh, de sucre. Mm. Euh, J'y vais avec euh, l'album, le dernier album en date de, du groupe Judas Priest, s'appelle Fire Power. Cet album-là euh, a été produit euh, Fire par, Power, à, ça là. Okay. par M. Disney. Tu veux me mettre la tonne Fire Power, man. Ça décape sur un excitant. les gens qui pensent que Judas Priest sont ramollis, man. La, la première fois que j'ai entendu ça, j'en croyais pas mes oreilles à quel point ça sonnait bien. Est-ce que c'est le meilleur de Judas Priest Non. Mais presque un des meilleurs, ben, du moins je, je le mettrai dans mon top 5, mais oh, dit que ça sonne bien. Hey le robot il est fucked up. Le titre de l'album est complètement fucked up. Là on écoute la tune éponyme Firepower de Judas Priest et c'est l'entrée numéro 5 production métal chez Tida. Oh Yeah. Petrifice. Firepower. Firepower. <laughs> bon là ça sonne le tas parce que le on l'avait dit mais My God, t'écoutes ça dans les écouteurs, c'est flawless. C'est comme Wet Dream de A.V. Metal. Sincèrement, peu importe ce que vous pensez de Judas ai Priest, cet album-là sonne en tabarnak. So, uh, props à M. Andy Sneap qui a produit Hoppet uh, uh, une fois ou deux, uh, puis uh, Arkham. Merci Bien pour la... C'est vraiment un, un chef de la prod metal et c'est son meilleur album selon moi, des produits. Merci pour la rigueur intellectuelle de Props, les gars qui produisent. Moi, je Far Beyond sans même avoir cherché c'est quoi le nom derrière ça. Mais, hein, écoute, c'est mon style. Hein, que euh, C'est ça. Euh, entrée numéro 4, euh, de mon côté. Évidemment, c'est un album que j'ai droppé souvent au podcast. Euh, C'était inévitable que de faire un top 5 production sans qu'il y ait certains albums qu'on a déjà euh, droppés souvent. Et, de mon côté, je parle d'une production death metal moderne qui est, à mon sens, on aurait dû arrêter là, au niveau de je trouve que c'est un bon équilibre entre la production de laboratoire et la production organique, mettons. Mm -hmm. Il s'agit de Ring Supreme de Dying Fetus. Qui est mon oh, album ouais. préféré? J'allais dire de Dying Fetus. Puis si des fois je m'interroge à ne pas demander si ce pas mon album d'être Metal à vie. <laughs> c'est genre j'y retourne continuellement depuis sa sortie. C'est l'album C'est sûrement un des albums que j'ai le plus écouté. Dans ma vie, c'est vrai qu'on est vieux, là. mais euh, man, euh, Chris, que j'ai écouté cet album-là souvent, je le connais par cœur. Puis je trouve qu'il y a quoi dans la production, justement? ça des caisses de référence chez vous, là. Quelque chose qui sonne bien, qui sonne def au, au niveau de l'EQ dans toute sa largeur, dans toutes ses thinness, hype, tout, t'écoutes cet album-là, ça n'a pas de bon sens. C'est du holy oneness de mongol, la pesanteur des guides, de tout. Oui, c'est sûrement chimique, oui, tout, mais c'est bien fait chimique. On aime ça comme ça quand c'est chimique, en fait. Court extrait, j'ai écrit, c'est ça à Botch. On est là pour le son. De toute manière, bon, un extrait. Mon album préféré, Ever. Ah, c'est c'est fou cet album-là, man. C'est de la pure ma putain de magie à mon sens. Oui, ça peut être thin pour certaines personnes, mais moi je trouve ça correct parce que c'est ça qui est hot de Dying Fetus. La base est thin aussi. Tu sais, au il joue au pic, il joue, de la base comme il joue de la guette le gars. c'est vraiment. Il y a de quoi de hot avec ça aussi, je trouve. C'est pas, 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 un album de low end mais oui euh, ben, <laughs> <there>, <laughs> en mais tu sais, j'ai déjà vu pire, mais. Sincèrement, euh, je, te, je, je te le donne. Euh, cet album-là, c'est vraiment à mi-chemin entre le old-school slam death et le, le tech. Euh, c'est organique et chimique en même temps. Tu le décrit à la perfection. Et je pourrais pas être plus d'accord avec toi, man. Cet album-là est... Oh, ben, ben, justement, en me côtoyant, euh, mon ouais. appréciation a comme monté de level à chaque fois qu'on en parlait. Tu sais. Ouais, je suis un peu obsédé par cet album-là. Il, il est ouais, à hein? J'ai une bonne et relation. C'est comme un bon ami, man. C'est comme un chum que tu gardes depuis longtemps. Il est toujours là. Il change pas. Il est toujours fin puis fun. <laughs> euh, comme, comme toi, puis moi. On est ouais, tous des dingues, faites-tu. <laughs> <laughs> hey, euh, t'as-tu dit ta quatrième position? Non, on est rendu là. Okay. là. Euh, oui, ben juste euh, rapidement, il y a Jeff ici. Ben, on va le garder, de toute façon. Il y a Jeff qui a, qui a une autre pochette euh, de Discarnate entre les mains. Bon, <laughs> ouais. C'est euh, la session? Night mon boy. c'est elle que j'ai montré au début, Jeff, par contre. Euh, ouais, non? Peinture, ah! Ils sont similaires. <laughs> non, mais montre-moi l'autre cover. Ouais, ça, c'est une pochette de Discarnate. Merci. That's the way, boy. Noir et or. Oui. Euh, je t'écoute Dom pour la quatrième position. Hmm. Alors la la best prod que je qualifierais d'aigre douce, tout <laughs> comme, comme la... Tu dis que sur tu de... t'es rendu à aigre douce, c'est bon. Ouais c'est ça, c'est parce que. <laughs> Euh, c'est c'est à la fois sweet mais super harsh en même temps tu il y a aucun moment dans cet album là que que je trouve que ah j'ai mal aux oreilles t'sais. non c'est ça on est vraiment euh, bien dosé, mais on parle d'un band de death metal qu'on n'a pas encore name-droppé. Probablement, hey. euh, par Après ma faute. 52 épisodes, un band qu'on n'a pas dropé. Ben puis c'est un band que j'adore, que je vénère, mais que, you know, fort, fort, shit fort. happens. Si, euh, c'est ça le nom du band? Oh. Non, happens jing, jing. Shit happens. <inaudible> ok, excuse, je t'écoute. Alright, uh, l'album uh, Redemption du groupe uh, Vomitory Bon Mithori, tu m'as déjà parlé de ça. On a, Je sais qu'on l'a écouté Vomiterie, dimanche ouais. passé. Ouais, dans mon cellulaire. Je sais Redemption, t'as dit Redemption, yes. Ouais. Te, si tu veux mettre un exemple, tu fais juste starter l'album à zéro minute. Euh, la façon que l'album décolle, anyway, est légendaire. C'est 1, 2, 3, 4, et euh, c'est ça. Ok, let's go, let's go, let's go. je suis dans. Tu, tu, tu me séduis, là. Tu me séduis. Le, le, le tone du drum est flawless. <smallion> Un Oh, c'est bon! Ils Waouh! Aïe, aïe, les gars viennent d'échapper oh, wow. le sac de l'aspirateur à terre, là. C'est dusty en tabarnak, <laughs> <pas barriant>. Waouh! wow! <laughs> Allait, tout seulement, elle la pèse, à gronde. Les guitares sont. Waouh! Harsh, oh, wow. mais tu sais genre irrationnellement euh, upfront là c'est tout on, on dirait qu'on est dans, dans le local du meilleur ben de dette au monde puis c'est quasiment le cas fait que, you know bah, puis euh, en fait euh, juste pour name dropper le gars qui a produit ça euh, j'ai checké ce qu'il a fait il a fait God of il a fait une coupe d'affaires, mais c'est pas un producteur très réputé si je peux me permettre euh, le gars s'appelle Henrik Carson des swedish, mais sincèrement, c'est underrated as fuck. Allez écouter votre vomitoire tout de suite. Et Jeff, euh, écoute, avant que tu passes à tes deux entrées qu'on va, qu va dire rapidement au top 5, euh, je voulais partager quelque chose avec vous, guys! Mmh il y a notre cher chroniqueur qui en, en grand photoshop master qu'il est euh, nous a rapidement fait un remix de la pochette euh, de, de la pochette de fucking monstrosity euh, faut que je vous montre ça rapidement parce que c'est quand même mignon pour la Pâques c'est magnifique pour la Pâques en effet mon cher ça en euh... <laughs> <laughs> bravo <rire> ouais ouais applaudissez <laughs> génial là. ouais <laughs> Merci pour ça, euh, <laughs> Max. Et voilà, c'est juste ça. Et ça. On peut passer au segment euh, pour euh, tes deux entrées. Euh, ça ne dérange pas, on va, on, on va y aller euh, rapidement, ces extraits aussi, là, parce que tu sais ce que bon, c'est. Ouais, ben, ben, ouais. Comme d'habitude, moi, euh, je suis la voix de la raison et euh, je te bloque euh, constamment. <laughs> et? Bref, euh, oui, je vais commencer avec quelque chose. Euh, T'as vu dans les euh, dans les comments euh, secrets, j'ai mis euh, un link euh, vers euh, Christian Donaldson. En fait, je voulais mettre mon album, mais je devrais mettre Christian Donaldson euh, en numéro 5. Euh, le dernier album The Hands of Despair, euh, The Crimson Bows and Other Short Tales. Euh, c'est écoute, ça sonne que le tabarnak. C'est grâce. Ouais, c'est une superbe job. Tu sais, oui, on a fait des belles takes, puis euh, Maxime, c'est un excellent euh, euh, ingénieur de studio, euh, mais Chris a une oreille de débile mentale, Puis le lien que je t'ai donné, c'est un lien vers sa page. Là, scroll dans, euh, va, va chercher euh, MISC euh, Staff en haut dans le tab. Puis, il fait juste scroller. Écoute, ça n'a pas de sens. Ça, là, euh, la plupart euh, des bandes que vous allez voir là-dedans, il a fait du mixing, du editing, du mastering. Euh, C'est quelque chose. Le gars, il est impliqué depuis des années. Là, tu sais. Puis des années, il a, il a fait nous autres, il a fait euh, Beyond Creation, Catalan. Euh, hey, il ne s'arrête pas, là. Je suis juste d'un C, là. Nebukake, Charlie Sanders. Je suis juste d'un C. Il a fait à peu près toutes les diagonistes. Euh, Dark Century, euh, mon gars. Hey, voilà il y a plein de mauvaises hey, hey je suis euh, juste euh, d'un là icon. écoute le gars il s'est fait une oreille à travers toutes les années puis euh, écoute ça, ça sonne là, ça Desperes. prod, là Desperes. tu viens de passer Endeavour euh, allez j'y vais plus vite là mais mais ça n'a plus même. rapport là ah ouais man il travaillait tout le monde c'est endless là c'est 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 plus huge que, euh, voyons, euh, even euh, Peter ah ben, Techtran euh, hey, Tech du studio Diabis, tu sais, le, le gars de Hypocrisy, qui a le studio Diabis en oh, Suède. Wow. Euh, il, y a, il y a vraiment des, des albums cultes à son nom, mais tu sais, ça ça n'a pas de style. Do... Sens, What the hein? Carlis, hein? non, fait, mais, mais, ouais, en mon fait, numéro 5 est de... mon album slash euh, le travail immense de Chris Donaldson. Ben, c'est ça, hein. il a, derrière les albums Genius, il y a toujours aussi les produ des producers Genius, sans genre te flatter dire ton album est Genius ou whatever, dire, je pense à, mettons des albums mythiques, il y a toujours un producer mythique à l'arrière, en général, euh, et euh, oui, c'est le belle entrée, j'avais pas de Donaldson à mon top 5, puis je suis content que, mais finalement, on l'a mis à large, Dom, c'est ça, arrives à tort, mais finalement, l'entrée, c'était l'album de « Dance of Despair » de Jeff, mais au-delà de ça, on a juste Big Up Chris Donaldson pour tout son travail. Puis il a le talent aussi de. Tu sais, parce que j'écoutais Fall que moi, beaucoup plu aussi. Oui, effectivement. Il y a, a, a le talent de comprendre la couleur d'un Ben. Parce que, tu sais, voilà. il pourrait avoir tout le temps la même prod. dire « Ah, oh, ça sonne de Chris Donaldson. Mais non, tu sais, au-delà de ça, il est créatif aussi. Puis quand il y a un Ben, il va être plus faux, qu'il va aller chercher quoi dans le mix, qu'il va y aller chercher avec cette couleur de Ben-là, puis il comprend. Tu vois que c'est un gars qui travaille en collab avec ses artistes, pas juste un, un gigueux que tu le payes, puis il rec. Il y a un sens artistique dans ses affaires, il est chill. Euh, Puis bon, on va écouter quand même un extrait de Ends of Despair, le Carlis. C'est ça que je suis en train de faire, ça, oui. Belle Donc, occasion, en effet. Ah oui. Bon album. Euh, Parce que... On va écouter <laughs> le clip. Ça, euh... bon. On va écouter ton dernier clip, Jeff. Non, mais tant qu'à faire. Ground. Yeah, boy. Excusez-moi, je suis juste... hey, Ça fait beaucoup de share screen, on a lu sur Facebook, juste pour le montage Facebook. À... <laughs> mais Ça vaut <laughs> la peine, en crise. Euh, bon. Un jour, je vais avoir le streamer, le, le streamer payant, guys. Voyons, Chris, excusez. Je peux le laisser plus que 20 secondes. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, les amis, vous allez pouvoir consommer ah, ça. C'est su bon. disponible sur le Tube. Et si vous allez sur le Tube, n'oubliez pas de subscribe à la chaîne Pouilleur Destruction et de cliquer sur la petite cloche. Et là, les vidéos. Parce que, je dis ça en parenthèse comme ça on a beaucoup de beaucoup de fans sur Facebook, mais il n'y a pas beaucoup de subscribe sur le YouTube. Puis le YouTube il est divertissant. Hein. Là-dessus, on met les matchs de lutte à part le podcast on met euh, nos conneries, nos jeux de mon les, 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 les. Tout est sur YouTube pas mal une fois après le live. Fait que dans le fond, hein. subscribe, putain de bordel de merde <laughs> euh, oui et oui Chris Donasol belle entrée numéro 5 t'allais où avec ton numéro 4 là mon cher avec Jeff? mon numéro 4 je m'en vais euh, dans le black metal écoute je t'ai euh, écrit euh, dans le, le, le petit chat c'est le site ça? là attends okay. je vais ton lien oh shit ok oui t'as bien fait de me l'envoyer oh, Ouais, oui mon... je t'en ai écrit euh, <laughs> c'est le deuxième album euh, de Taka euh, Over Greta Emmerich Oh, Est-ce que tu Donc, as une pièce en, en particulier? J'ai une chaîne. Cet album-là ah. est un album black metal parfait en qu'à moi, ça sonne parfaitement euh, parce que... Oh, excusez, excusez, excusez! Continue, continue, pardon. Parce que, simplement, vous allez voir, ça sonne crasseux, mais vous avez remarqué que c'est chaque... le son de chaque instrument qui... On t'entend plus, euh, Jeff. Jeff, où es-tu, Jeff? Qu'est-ce qui se passe? Fuck ton micro, man! Puis t'es pas soumis au ponchum, je sais pas. Mais on va écouter un extrait de TAC pendant ce temps. TAC, bonsoir. Salut, t'es revenu, t'es retour, t'es retour. On va écouter un extrait pareil, même si t'es retour, quel ton tu veux écouter? Tu veux-tu écouter Overbord, Gratteur et Mérien? On prendrait le début de l'album, ça rentre Testy direct. Bon ben, bon. wow est bon. Ben, bon, tac. Les bons les mythories du black metal, effectivement. Un tac, ça veut <laughs> dire, euh, euh, voyons, euh, euh, brume ou brouillard, ouais, brouillard en Norvégie. Mm -hmm. Hey, euh, c'est euh, ouais, euh, Chris. En tout cas, la tourne est vraiment euh, romantique au bel. C'est ça qu'elle fait du rack metal. En fait, là, ça, c'est. Tac, c'est un band vraiment à découvrir. Je vous conseille cet album-là pour découvrir. Ça sonne super bien. Euh, Puis, c'est ça. T'entends tout. Vas-tu, même à travers le, 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 le harshness de la patente, si on entendait super bien. Tu sais, le. Ben c'est sûr qu'avec une compression. Tu l'entendais mieux, <laughs> mieux que moi, nous autres, Gab. Moi, j'ai jamais de compression. Moi, je l'entends comme du monde comme direct sur mon YouTube. Là, mais sûr. nous autres, ouais. avec la compression, ça sonnait quand même bien, puis on entendait tout. Cet album-là est fucking bien produit, puis fucking bien enregistré. C'est vraiment cool. Là. Je tiens à préciser que il y a Jam Fournier qui a fait une proposition de pétanque à destruction. Puis oui, on est des fans de pétanque. En tout cas, moi, et puis Dom, je ne sais pas pour toi, Jeff, mais nous autres, on joue à pétanque. Puis ça pourrait être un projet ah, de ben, bah oui, oui. Voyons non. Pas trop nice, ça. Oui, All right, all bon, right, questions. yes, genre, bien. ben oui, hey man, on se fait un Attends. peu de destruction. Euh, bien, bonne <laughs> idée, okay, John, on te suit là-dedans. On te suit du bout. On te euh, Ça nous amène à notre troisième position du podcast, le top 3. C'est une étape toujours très le fun. On y va, euh, on y va de, à fond dans ce qui nous plaît. Moi, c'est vraiment des goûts persos. Hein. Prenez pas ça. Mais à mon sens, des trucs, la production, c'est soit iconique, mythique, ou soit complètement juste trop destroy, à mon sens. Troisième position, les gars, Ça peut-être me trouver drôle, mais j'ai mis Slaughter of the Soul de The Gates. Juste parce que dans ma tête, ça l'a standardisé ouais. ce que c'est une production ouais. de swedish. Vraiment. Ouais. Euh, au niveau des distorsions, au niveau du son drum tout pas tout pas, au niveau ouais. des vocals, au niveau du reverb que ça te prend, euh, les petits interludes de guides classique classiques, un peu romantico BS, euh, tout est fucking là. Slaughter of the Soul, guys, c'est comme... Ben déjà, c'est dans mes albums. À ce soir, je parle beaucoup de mes albums préférés. T'sais, je parle de Ring, Ring Supreme. Pas... Ouais, superbe entrée, Gab. C'est vraiment. Oui, a... C'était dans mes. Je ne l'ai pas mis au menu parce que je ne voulais ouais, pas être over, over cheesy. <laughs> ben... Non, mais je suis pas cheesy, que cheesy. Mais... Pas que cheesy. Pas que tu cheesy, mais c'est parce que mais je bah, suis moins Mais, mais c'est juste tellement mythique. T'sais, à partir de là, moi, ça a établi un standard de prod. voilà Si tu es plus low que ça, c'est comme. Ben, ouais, non, tu sais. Je ne sais pas. Ça. Ça a tellement marqué le genre. Tu sais, après ça, tout le monde va dire bah, « ça sonne Slater au niveau de la prod ». Je préférais ça comme une un étiquette de production, comment hein, c'est ça le son d'Ed Swedish. Puis euh, bon, l'album est assez parfait en son genre. On peut écouter un court extrait, mais je, je trouve ça weird d'écouter un extrait de ça, parce que souvent, quoi, ça, on va écouter ça en 8 bits. tant hein, qu'à faire. Je sais que c'est pas que je parle de prod, j'écoute ah, en oui. 8 bits. Mais Chris, oui. on connaît tellement Slater en 8 j'ai-tu besoin d'écouter Slater en 8-bit? Si ai j'aime 8 bit glory, mais vous n'avez pas <laughs> idée.

Always the same. My tired eyes have seen the door upon your life. My age is blind. <laughs> okay, okay, bon, been... <inaudible> All right. Ah ben écoute, c'est ça. Moi, The Gate, c'est une prod classique. C'est comme le son. Il n'y a pas beaucoup de base là-dedans. On va se le dire. C'est pas une production misée sur la basse électrique. C'est all distorsion. Mais c'est quoi d'ailleurs, guys? Moi, je ne connais pas c'est la guitare. C'est quoi cette pédale-là? Le son d'Ed wedge, C'est quoi le son de main? C'est Marshall avec une pédale de cul? C'est Kick Melonzone ou c'est la DS1? Non, c'est la MT2. Moi, je sais, c'est... L'affaire, c'est qu'ils sont arrivés avec leur gear. Pis, euh, en fait, le, le, le son de l'album, ce qui est vraiment étrange, c'est que ça provient de, du cap 212 du guitariste qui était complètement pété. Euh, les speakers étaient oh, oui. euh, y a vraiment, Ça a comme pogné une fréquence qui n'était pas très euh, enviable. Mais finalement, dans le mix, même, là, ça sonne super bien. Euh, mais c'est ça, c'est un, un speaker qui, 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 qui avait mal à la vie, puis ça a donné ouais, ce son là puis en je... fait, écoute, ça rajoute l'agressivité, puis euh, j'ai rien entendu de tel euh, jusqu'à maintenant. Même à The Gates, des, 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 des dix dernières années, euh, ils ont, selon moi, pas récupéré totalement leur mojo, parce qu'ils auraient peut-être dû ramener cette 2-12-là qui chiait, là. Ouais, ben ça être dur à aller rechercher cette tonne là Puis je l'aime mieux que même les vieux. Tu sais, mettons, on se parle à euh, Spirit Disease, J'aime mieux pareil la prod de Slaughter. Mm -hmm. C'est un petit peu plus budget, c'est un petit peu plus assumé. Puis opaque, man. Les, les sons de Tom, tout est bon, le drum, tout est bon là-dessus. Oh, Il y a ouais. quoi de pur euro, là, puis nordique. <laughs> Claire, clairement, une de mes entrées que je n'ai pas mis au top 5, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne méritait pas. Euh, on poursuit d'ailleurs de ton côté pour la troisième position en production oui. mondaine. La... Écoute, euh, moi dans ma vie, j'aime bien aussi des productions qui sont purulentes et le fun. Et euh, en fait, je l'ai appelé la production navet Confit. Okay. Euh, parce que Dieu sait qu'on avait ses poches. <laughs> C'est comme la patate huh? des pauvres. <laughs> Mais euh, dans ce cas-ci, euh, ça me rappelle les, les premiers chuches à Montréal, à quel point j'étais la première fois que j'aimais les navets dans ma vie. <laughs> puis euh, ben, ça, ça fait référence à une prod. En fait, ça, à ce que j'ai vu, c'est Self Produce. Euh, puis c'est un de mes classiques. C'est le premier album de Impale. de Dead Shall uh, Dead Remain. Dude, for real! j'ai tellement pensé pas que je le mettre ça parce que je voulais mettre un pale parce que oui ces prods là sont sincèrement le, son de, canis, <laughs> le, le son de canis du drum les riffs de guit que t'entends rien euh, <laughs> le vocal <laughs> over the top dans non, pour... <laughs> la base qui sonne le putain de vomi euh, rend tout ça Oh my god! Et puis ce t-shirt-là, vraiment... d'où? Je l'ai cherché toute ma vie, ce t-shirt-là. Je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai toujours voulu. Le gars qui chie les intestins, man. Quel style d'album de taré puis bon, man! C'est oh, comme ouais. Carcasse qui, qui s'est plété et qui a chié dans un blender. C'est vraiment. Euh, Effectivement, ouais. Mais ça sonne bien, man. Je dois avouer que les Toupa Toupa, là, le, le, le son du drum est vraiment... Invitant, c'est euh, ce qui est le contraire des guitares, mais c'est ça qui est cool. Ils ont réenregistré cet album-là avec une prod super clean. Ouais. C est, c est la est pochette pas... est folle, la réédite pochette, mais bon, je sais pas. Effectivement, mais c'est pas super bon, là. C'est ça, ça, là, c'est ça à coche parce que tu sais pas trop ce qui se passe, mais c'est le fun pareil, un peu comme les navets fit. <laughs> Okay. Hey man, on va écouter un extrait puis là, le pauvre guys du podcast avec la compression, ça va être destructeur. Mais bon, euh, man, j'adore cet album là, dom. C'est pas mon pref de Impale, mais toutes les prods de ont on le cachait. C'est carrément mélanger le death swedish avec du grindcore. Genre, c'est comme tu vas grindcoreiser des prods à la slaughter genre de Soul, justement, mais rendent ça super déchet. Genre, c'est magique. <music> C'est mon ben préféré ever, je pense. Pour vrai, là, là tu vois, oui, j'ai un nouveau jacket de, de jeans, là, pis bientôt, je m ça y est, je me cherche une backpatch avec un quel backpatch je vais mettre dessus. Je veux ça, c'est décidé, c'est ça ma backpatch, mon nouveau jacket, man. Quel album de taré puis de violence puis de, de belle aggressiveness, c'est une petite coche mieux qu'Exium à mon sens, c'est une paille un petit peu plus raffiné au niveau harmonique mélodique. C'est vraiment du death mellow avec un son héros, mais complètement grindy puis agressif pis... ouais, ça me rappelle le souvenir métal d'homme aussi notre show d'Inpale qui était dans ton top. Chris, qu'on a tombé sur le cul puis que c'était ça qu'on voulait même. J'aurais dû acheter un t-shirt. Peut-être que je pas pauvre dans ce temps-là. Non, c'est acheter... parce qu'il en avait pas ce soir-là, okay, T'étais bien déçu parce que, genre, il y a... en plus, il y avait traîné Asti. Amen. Il y avait un boot, là, avec des gilets de Ben qui n'étaient pas là dans la soirée, mais qui était immense Ouais, pis il y avait des pas Des gilets de Bolt euh, Des trucs, je suis là. Mon Dieu, pourquoi moi je suis pauvre? Et toi, tu juste là. Mais encore je veux un gilet du premier Zimpey. <laughs> trouver, Asti. va le trouver. Astille, va le <laughs> trouver. Euh, de ton côté, Jeff, euh, on top 3? Troisième 3, euh, C'est une Power Metal Entry. Mm -hmm. Et j'ai nommé euh, l'album Better Than Raw de Halloween. Oh! Mm -hmm. On a parlé C'est le premier album de Halloween que j'ai acheté. Puis, tabarnak, que je n'ai pas été déçu. Est-ce que ça sonne? Est-ce que mm -hmm. les compos sont bonnes? Mm -hmm. Ça rend que le tabarnac. On man, a donné une bonne note à ça. Bring it euh, Halloween fait. Fucking Rocks, man. On, a donné, donné 10 sur 10, on et... a donné une bonne note moi aussi. J'ai dans mes souvenirs, j'ai donné une bonne note au podcast à cet album-là. Puis j'étais content que dans tous les Halloween, vous avez mis celui-là. Parce qu'effectivement, c'est de la production, Nickel. ça, rentre, Falling higher là-dessus, ça te tue, ça te torche le cul solide. Euh, c'est euh, plus professionnel que laboratoire. Juste l'intro symphonique est complètement débile, là. Je vais pas mettre l'intro, par exemple, vu que j'ai 20 secondes, je vais mettre ça. Ouais, euh, ça rock, là. Mais ça rock en Chris cet album-là. J'ai des bons souvenirs de ça. Tu vas quand même prudent avec eux autres. Mais, euh, ouais. Fucking bonne entrée, je suis d'accord. Puis c'était un beau souvenir J'ai d'entendre un petit power metal scream de Andy Deris. Ah, euh... ouais, mais Fiction! tout est pro. Est-ce que je me rends pas là, man, oublie ça. Est, tout est extrêmement pro dans cet album-là. Music and Chip, studio. Tabarnak, ouais. Le drum claque, est-ce que la grosse bass ronde, mais qui, qui, qui slap aussi. Euh, Puis, man, les guitares sont écœurantes, ça sonne heavy as fuck. Là. Euh, mm -hmm. Ça rentre, man, c'est juste fucking bon. Puis Andy Derris était en forme en Chris. Puis c'était à ramener au podcast quand même. Puis cette pochette étrange-là, je la trouve belle, pareil. Je trouve que c'est. Ouais, vrai. fucking Tom nice. Ouais, Tom... Oh, Tom McFarlane qui dessine des chicks. What's not to like? C'est-tu McFarlane Ça n'a pas le choix. Qui c'est d'autre? Non, c'est pas McFarlane, je pense. Il faudrait que j'aille voir dans le livret, je vais aller le chercher tantôt. Mm. C'est bon. Euh... Hey, parlant de livret et d'autres trucs, si c'est vrai, mm -hmm. j'avais oublié que j'avais mm -hmm. ça. Même. Oh, Chris, c'est un album original de ça. Oh, oui, Sergeant Hetfield's Mother Breath pub Band. Waouh, mais non, on rate pas toutes ça. Les, toutes les tounes, genre, toutes les tunes. Euh, voyons, euh, Revel Sean, euh, Blacken the USSR, euh, Hellvester of Skelter, euh... <laughs> A Garage Days Night. Leper Madonna. Hey Dude. Hey Dude. C'est drôle, ces imitations d'Edfil sont sick. And Justice for All, my loving. C'est magnifique. Nice en Christ. Oh good. Hey, ça rentre dans la deuxième position. Du gros stock, est-ce que du gros stock? Où c'est qu'on s'en va? Ben, Samoué, Chris. OK, excusez ben ouais. Hey, vous allez me trouver encore tellement fromagé. Vous pensez que j'étais fromagé avec Slaughter of the Soul? Sortez le fucking parmesan craft en poudre qui pue. J'y vais avec le premier de Slipknot, éponyme Slipknot. Guys, cet album-là, là, la production, eh, ils l'ont jamais réatteint parce que dès Iowa, ils ont fait du cash Puis il n'y avait pas le petit, Cheapness crusty que ça prenait pour un son parfait pour cette note à l'époque qui était pure agressive. Euh, mélanger les samplings, le scratch, euh, deux gits, 10 000 hosties de percussion qui claquent de partout, des sons métalliques industriels, mais le faire bien, le faire de manière que ça soit, ça soit une fusion entre hardcore et death metal et néo metal à la fois, puisque le délai vue dans tout ça est très néo metal quand même. Euh, « Jesus Christ, guys. Slipknot, Slipknot, c'est un putain de chef dœuvre de production. » Puis c'est dommage qu'ils ont perdu ce petit cachet-là rapidement avec la popularité du Ben, Évidemment, plus de cash, plus de gros studios, plus de grosses affaires. Mais le premier de Slipknot avait un petit cachet, pas de DIY, c'est sur Roadrunner pareil. C'est Mais... Ross Robinson hein, qui a produit « Korn okay, », euh, voilà pour des albums. Il a produit euh, Limb Biscuit aussi. Fait que, genre, le, le gars, il knows c'est quoi qui est hip. Mais il y a quand même un certain talent là, pour aller chercher euh, l'agressivité des, des instruments. Là. Moi, je suis pas, pas, euh, pas une denial face fa à cet euh, album Je suis quand même un fan. Je suis allé le mettre en deuxième. puis C'est plus haut là, que, que Rain Spring puis Ben des Affaires. C'est un des albums que j'ai écouté les plus forts possibles. Je, je l'aimais tellement, cet album-là, puis il n'y a tellement pas de limite à la puissance. Tu sais, il y a bien des albums mm -hmm. qui sont trop fort, tu perds le mix, puis ça devient un peu flou, crusty, weird, puis tu fais OK, tu sais, je ne vais pas faire shaker la maison pour avoir un son de merde. Mais ça, c'est un album que tu peux faire shaker à la maison avec, puis il va encore sonner bien, même. Il n'y a pas de bon. Puis c'est étrange parce qu'il y a du stock, il y a du layering en tabarnak dans cet album-là, mais l'équilibre est parfait. Il euh, y a rien qui est gossant, puis tout est. L'intégration des samplings du scratch est tellement bien faite. C'est parfait à mon sens. C'est pas juste l'intégration dans des, des entre-tunes, des interludes, c'est vraiment dans les tunes. Euh, c'est parfait. Euh, Écoute, je pense que c'est trop classique, encore une fois, pour y aller avec le vrai album. Puis ils sont bien trop pop, bien trop dangereux. On va y aller avec du 8-bit. Rendu là, hein? <laughs> Tant qu'on n'aura pas de cover de Jeff Mott, ce coup-là. Ah uh, non. Ça, c'est sûr que non.

Ça ne, ça ne, ah ça non, ça on a ça eu un petit peu de, de karaoké pareil. Ça ouais, ne Jeff pas le mot. Non. Mais voilà. Euh, moi, c'est une prod que je trouve débile. Écoutez. Puis bon, si je retournais à Slipknot dans ma vie. Je ferais ça en 8 bits de toute manière. Ah ouais, t'as <laughs> pas ça à ce point-là, Slipknot. <laughs> ok, ok. T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit. As le droit. Avec, ouais, si chacun ouais. ses goûts, man. Mais moi, je capote de cet album. Bon, hein. Je trouve ça. <laughs> Euh, je suis rendu où? C'était à qui? De face à deux à toi, Dom? Apparemment. Ah oh, ouais, ouais, ouais. Je pense. Ben, oui, ouais, ben, ouais, ça, ça change de triangle, mais on dénonce de là depuis le début. Let's go, boy! Alright, on, on approche de la fin. Et, euh, la best prod que j'ai appelée la prod chou-fleur congelée. <rire> euh, <rire> parce qu'elle parce qu est froide et organique. Ah, ah, ok, c'est la Elle euh, revient, euh, puis je me suis surpris pareil, mais fuck yeah, man. Pierre Révignard, dont tu, tu as travaillé avec euh, une fois ou deux, Jeff, euh, ouais. il a fait euh, un de mes albums préférés du Québec, et selon moi, niveau prod, internationalement, avec l'album Cyber Void. Ben oui. Euh, que, que Honnêtement, Fear Factory et euh, Machine auraient pu apprendre de ce dude-là. Et tu te là, man. Sincèrement, là. Cyber Metal, euh, metal euh, comme ils disent. Ils étaient dans doux, ton hein? euh, top 5 sci-fi, right? Ah euh... oh, mais la, la capture est entièrement analogue là-bas, là. là Puis il y a des astis de micro. On va de ce <laughs> album-là, là. On passe parler de <laughs> album-là, right? Écoute, oh, Mark on a pu finir là pour la capture, puis sa pièce de de, de capture était écœurante. Et il met les câbles en dessous. C'est une pièce en dessous dans le sous-sol. Son chalet, qui a transformé en studio, est construit puis drillé direct dans une grosse fucking roche. Sur le, le bord de l'eau. Ça n'a pas de sens, mais lui, il a de la pierre comme plancher dans le sous-sol en dessous du recording room. Puis, man, c'est malade. Il met les câbles là-dedans, puis ça sonne hein. les Il a de la pierre chez Pierre. Ouais, <laughs> c'est vraiment. Ouais, et voilà, chez Pierre. Voilà. Puis, puis, ses les albums, ben, il, a, il a produit Non-Sauveur so mm -hmm. il a produit euh, un grand nombre de mes classiques personnels mais je pense que Cybervoid, c'est vraiment ah, ce oui. son, son plus gros accomplissement selon moi un excellent album Le studio Wild à Saint-Zénon c'est magique aïe je vais écouter un extrait de tout ça moi Chris ça va pas bien long oh wow c'est hot Yo, ça c'est nice. On tombe sur un triste de bout de cool par les productions. <laughs> la, 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 hey, je suis OK. Euh, oui, OK. J'ai à découvrir, effectivement. Mais il n'était pas dans ton top sci-fi, Dom, ça le Peut-être. Ouais, en tout cas. Il vraiment, était dans il est... mon top sci-fi. Ah, ouais, ça se peut que ce soit toi qui Ça se peut très <laughs> bien. Voilà, 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 voilà. voilà. Euh, deuxième position du côté de Jeffrey McDermott. Ma deuxième position est somewhat prévisible. Fallait bien que j'aie fait quelque part dans mon top. Puis mon band fétiche, Iron Maiden, a produit un album incroyable du nom de Brave New World. Oh, J'allais dire Peace of Mind parce qu'il était presque ma cinquième position. ah <laughs> oh, ouais, pour vrai! Non, Peace of mind, moi, euh, mais, en tout en reparlera plus tard. Mais mais juste, euh, la, la <laughs> juste pour créer du débat, il y a un remaster 2015 là, de Brave New World. Quel produit Ouais, mais, mais la, la production originale, CD original, est, le est vraiment nice. Sonne fucking lourd. Il euh, y, euh, un, un, euh, y a une capture qui a été faite de manière différente sur le drum, j'ai l'impression. Euh, les, les guitares. Perse à l'os, puis les arrangements à trois guitaristes sont malades mentales. C'est l'album qui signe le retour de Bruce Dickinson, puis il a ramené Adrian Smith avec lui, puis ils ont décidé de faire depuis ce temps-là des albums à trois guitares, puis je trouve ça vraiment le fun parce que ça leur permet de faire euh, encore du rhythm guitar en arrière-plan pendant qu'il y a des harmonies euh, de lead. C'est fucking man magnifique, puis en show, ça sonne que le tabarnak à trois guit. Le monde yeah. il pense que Yannick Gurst, il sert à rien, mais oublie ça, là, il, il, il est tellement important dans le son de Maiden depuis cet album-là encore plus. Wow, ok, Hey, tu nous enrichis toujours, Maiden. J'aurais pu jeter dans le lac, hein? je un extrait là, rapide comme ça, puis je vais faire très attention. Les cris silencieux. OK. Non, mais pour... Euh, ouais, euh, je en fait je, je, je m'excuse, le court extrait, là, je ne prends vraiment pas de chance avec mes dames. Euh, mais oui, euh, c'est sûr qu'assurément, c'est un groupe tellement mythique. Ils ont des prods tout aussi mythiques. Ça vient avec. Hein. Euh, on rentre dans nos champions, guys. Ce qu'on considère être une production métal, euh, ce qui est personnellement pour nous une production métal, et j'y suis allé avec mon dernier coup de cœur des dernières années et c'est honnêtement, un peu comme Dom, tu disais, c'est pas nécessairement un groupe grandiose, un album grandiose, c'est un album qui me marque juste par sa production. L'album commence et cette sonorité ne peut que m'amener à l'écouter et à le consommer. Je parle de l'album Mortal de Nécrot, qui n'a pas de tabarnak de Saint-Sacrement de bon sens c'est drôle parce que ma blonde le cas dans discussion Messenger. j'étais comme, Wow, tu spoil direct mon champion. <laughs> mais oui, elle me connaît bien, tu sais. c'est sûr que ma blonde, étant de moi, elle connaît mes goûts. Euh, Cet tabarnak de style album là de Calis, ça pas L'album part, puis tout de suite, ben, évidemment, si tu pas le death metal au secours les prods crasseuses qui sortent d'un marécage, tu as vraiment l'impression qu'un style monstre algueux vient te dégueuler d'un cheveu, ben, genre, c'est pas. Mais... Ouais, mais encore là, c'est un peu comme avec TAC. Genre, c'est les instruments qui sonnent crasseux, tu entends tout, tu distingues ouais. tout. Ah oh, oui, c'est un bend super bien fait. pour ça que. Puis, tu sais, on parlait des bonnes prods old school, death metal des années 94-96. Ok, nice, mais je trouve qu'eux autres, ils ont su récupérer cette espèce de sauce-là de vieille prod, mais de le faire beau. dans un angle moderne. Euh, si je capote sur cet album-là guys puis je pense qu'en majeure partie c'est pas parce que c'est l'affaire la plus originale ça réinvente pas la roue c'est même un pastiche de ce qui se faisait à l'époque d'une certaine manière mais ils font bien ils le font euh, Chris, actuel oui. Chris à rock la première tourne la première fois que t'entends le riff t'entends cette sonorité de git là tu sais que quelque chose se, se passe de crasseux pis c'est le fun euh, je vais partir la tourne au début parce que c'est vraiment là que ça se passe en fait le son de git Chris d'album de fou Le, le reverb dans le drum, euh, hey, le reverb man, dans le vocal, ça, le, la qualité de la disto, l'uniformité opaque que tout ça représente. Écoute ça dans tes écouteurs, c'est invade, ça va te chercher des poils dans les avant-bras. Astique, c'est viril, c'est violent, pis ça n'a pas de crise de bon sens quand même que c'est fou cet album-là. Ouais. Euh, numéro 1, d'un puis je sais pas si Necro vont être capable de faire mieux que ça on dirait qu'ils ont tellement mis la barre haute avec ça que je me dis, bah, peu importe ce qui va sortir après ça pourra pas être aussi cool que ça, Puis s'ils changent la prod de ça d'un tantinet quelque chose ça va me décevoir, parce que ça, ça a un ail pur d'or dans le milieu là c'est parfait, touchez pas à ça faut que ça sonne de même tout le temps mais <laughs> voilà c'est mon entrée numéro un j'en reviens pas encore mais ouais, ce que j'aime okay. cet album-là voilà. vous êtes prêts pour ma première place? Oui, et bien sûr l'abbé, euh, tu me surprends à zéro avec ton amour pour ta hack. <laughs> mon petit black metal violent. Je t'écoute d'homme, désolé. Pas de la Best Pro de Fall Time, mais euh, comme je disais, mes cinq positions, c'était juste des idées <laughs> de ce que j'avais, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre, finalement. Euh, en fait, je l'ai appelé la, la ramène de luxe. Dieu sait que j'aime bien euh, mes ramen avec euh, tout leur accompagnement dans le même bol. Il euh, y a un <laughs> peu de tout, puis c'est agréable. Tout est bien séparé, mais ça fait partie de la même gang. Euh, puis il y a un peu de plastique dans hein, des ramen. Euh, ouais, il y, y a un peu de labo euh, au travers. Hein, je comprends. Et j'ai nommé euh, du mieux Borgir avec mmh. Puritanical misanthropique mmh. Euphoria. Cet album-là, holy fucking shit! La mmh. première fois que j'ai entendu ça, j'ai chié un parlant. cas à terre. Mmh, J'étais en mmh. plein milieu du disquaire. C'était genre, « Qu'est-ce okay, no, qui no. se passe, tabarnak? » Idem, ben, idem. Ben, c'est genre, euh, c'est comme rester euh, dans les annales euh, des, des albums les mieux produits que j'ai entendus dans le métal. Mmh. Le seul petit, minime défaut, c'est que j'imagine que la base n'est pas tellement présente, mais c'est pas grave, on sent Chris, même. Euh, c'est tellement juteux, euh, n'importe les guitares sont tranchantes, le drum est trigué mais euh, organique dans le sens que on que manque pas long? le timing, il y a de l'électronica, il y a l'orchestre qui arrive juste au bon moment, pas tout le temps partout tout le temps comme ils euh, ont fait avec leur euh, l album, ça c'était chier, mais ça c'est pour moi c'est un album que si tu pas ben t'aimes pas la vie c'est OK mec vrai <laughs> bien avec je l'album qui a le titre le plus répulsif genre mais ben, ouais si joy pas puritanical, euphorique misanthropia, t'aimes pas la vie c'est comme <laughs> <laughs> en tout cas, je peux comprendre dans un joke que ça veut dire. Mais... C'est incroyable, <laughs> là. <est> -ce pas... <laughs> mais on écoute un extrait parce que, <laughs> hey, bien, bien vu Pour vrai, c'est une crise d'entrée de, euh, personnelle. Ah ouais, ah oh ouais, oh euh, ouais. Mais ouais. oui, <laughs> oui, je l'aurais mis avoir su. On aurait eu une entrée commune là-dessus, j'y ai juste pas pensé. C'est Oh oui. Excusez. Les crises. Quel bon album. La pochette ultra dérangeante aussi pour l'époque. Ouais, euh... Superbe slide, avant la rentrée. Ah, doux. Ben man. oui, Dom. Grand gagnant, j'aime ça. Flawless. Ben, oui. ben oui. Et ça nous amène au dernier grand gagnant de la soirée. Top 1 de Jeffrey Magdamot pour production métal. Qu'est-ce qu'une production métal chez Jeffrey Magdamot? Hey, man, c'est super récent. Mmh. Puis c'est encore mmh. comme pas une <laughs> surprise que je call out cette bande-là. Mais Tabarnak Abyss de Unleash the Archers, c'est un des meilleurs albums metal de tous les temps, dans oh tous les yeah. sens. Ce mmh. Cet album-là, il sonne fucking heavy, il sonne fucking glorieux en même temps, il sonne fucking space, il sonne euh, fucking. La pochette avec Texra Cool. Man. Bien. Tout est bien cet album-là, en effet. Je suis moins fan que toi, je m'en moins, mais tout est bien. C'est flawless, c'est professionnel, c'est fou. La, La production. Hein. Ça sonne! Mm, c'est une entrée très surprenante, mais oui, très pertinente aussi. Je m'y attendais pas. Je back, Jeff. Uh, only oh, T. Okay. Archer. Excellent band canadien aussi, que, que, qui fait notre fierté au Chaque temps. Chaque album, plus genre, est euh, mieux en euh, mieux tout le temps. Mm, mm, mm. Non, je fil au bout, c'est vrai, man, ce que tu dis. Yes, François, mais flabie, ça sent d'or bien des crottes d'eau. Cris ça le plus fort tu peux, tu vas capoter. Euh, mais oui, on est Joshua tout autant. Dans une autre vibe, moins crasseux, moins euh, corrosif, on est beaucoup dans quelque chose de. C'est encore drôle par bout. Genre, ça sonne encore Ils sonnent vintage. Des fois, niche. Pas vintage, mais ils ont vraiment cette saveur-là qui est progressive dans leur son, si on veut. Mais super. pro. c'est trop power. Tu pourrais pas mettre autre chose qu'une prod relativement. Sur une base de death metal mélodique. Genre, c'est. Les Quel extrait qu'on là-dedans? Puis c'est vraiment. Ils ont évolué différemment. Pis ça donne ça. Pis asti c'est magnifique. Quel extrait on écoute, mon Jean? N'importe quoi, man. Euh, return, return to rest... me. Non, return to me, ça sonne plus malade. Return to me, man. Non, Soulbound. Soulbound, ça sonne plus cool. Ouais, Soulbound, c'est malade. Alright. Voyons, tabarnak. Excusez. Excusez. <laughs> <laughs> Excusez. Ah, c'est Hollywood en crise, comme pub. Non, c'est produit par Studio Marvel. <laughs> c'est vraiment nickel. Ça sonne le million de dollars. Enfin, ouais, oh, yeah, man. C'est fucking magique. Puis cet album-là, en plus, c'est comme un super beau storyline, vraiment cool euh, à lire. Euh, wow, guys, mais c'est sûr. C'est cœur, Man, euh, on est dans l'hétéro, c'est vraiment, euh, je trouve que notre top 1 est fuck top, on est super hétérogène dans notre affaire, non, oui. on est allé avec des styles différents, on drop tout ça de manière différente, j'adore ça, c'est très très nice. Euh... Hey, je bleed un peu chez vous, Josh, je sais pas pourquoi, weird, je ouais. un petit peu à ta minute, je vois On, on s'est gaugé au début, Il faut que j'aille me chercher. comme ça. Check, check, check. Ouais, pas mal moins, ouais, c'est nice. Ok, il hey, euh, faudrait que j'aille me chercher une, une autre bière puis je ne veux pas te laisser tuer. Voyons donc, tu me strandes. Non, non, je ne te strand pas. Je vais attendre le retour de Dom et ça me permet d'ouvrir quand même la ligne de. Un 800 pouilleux. Alors, pour les premiers auditeurs, un 800 pouilleux, c'est assez simple. Là. Je mets le lien à votre disposition dans les commentaires Facebook. Ça vous permet de rejoindre la plateforme StreamYard. Donc, vous acceptez les modalités de caméra et d'autorité et blabla, Puis qu'on peut vous espionner. Je dis, ben oui, espionne-moi. Puis là, après, euh, tu up tes petites caméras puis ton petit audio puis tu dis Ben, ça, ça va être mon mic, ça, ça va être un ouais, caméra. Tu te pointes tes stand-by, puis c'est moi qui te fais rentrer, je mets le link à l'instant. Oups, écrit, hey, c'est pas le bon link. Ouais, mais euh, oui, puis évidemment, euh, ça va nous permettre d'inviter euh, Maxime paget qui est notre chroniqueur maison, qui va nous proposer quelques albums de son cru, parce que c'est un mélomane, puis on respecte sa mélomanie, puis c'est ben, un gars qui drop des chiffres c'est d'ailleurs lui qui nous a amené Discarnate que j'ai beaucoup trippé d'ailleurs merci euh, Max Pagé pour ça euh, donc le lien s'en vient il est à votre disposition dans les commentaires Facebook vous pouvez rejoindre la ligne à 800 Pouilleux et, et la euh, mi-page la mi-page en effet euh, donc vous pouvez rejoindre parler des albums de la soirée top 5 productions en votre sens des bonnes productions en votre sens vous pouvez parler de sujets passés si vous voulez c'est une ligne ouverte donc on parle de ce qu'on veut à la ligne ouverte Pouilleux of Destruction. Et ça me permet d'inviter notre cher Max Pagé, qui cette semaine a sûrement obscur. Euh... Ouh, quoi, euh... tu es quand même fucking discarné parce que quoi, ça fait trois ans euh... oui quand... ouais, euh, ouais. 3, 4 ans. c'est quand même un bout. Puis toi, tu m'amènes cette, pro cette proposition-là dans le cadre de juste ça te marquer comment bon, pis, euh... oh, ouais, ouais, que c'était bon. puis ouais, je regarde ma discographie pis je fais ah, ça 5 ans, 2017, mais 2017, messieurs. 5 ans. Mais c'est un peu plat parce que moi je voulais arriver euh, avec un, un petit intro sympathique qui euh, Frappe le marteau toi-tu matin! <laughs> Frappe le toi matin. Moi je voulais te dire Salut mon papa. Non, mais t'as mis notre joke de chance, man. Discarner de gain. Ah, c'est ça serait malade. C'est ouais. malade. Mais c'est euh... cool parce que moi j'aime mieux discarner. En tout cas, j'avais fait une joke d'ongle incarné, mais on n'est pas obligé. OK. Euh... Ah. <rire> ah. <rire> ah. Mais euh... Pis euh, juste un petit shout-out, euh, au début vous aviez la bière, le mandrill, puis il euh, y avait euh, Jeff qui disait le mandril, c'est fucking badass. Puis moi, à côté chez nous, j'avais ça. <laughs> ah, ok, t'es vraiment, tu sais que c'est métal. Toi, tu nice. le sais que c'est métal, un mandrill. <laughs> ça niaise pas avec le poc. Hein. Ah, je sais pas, je l'ai vu, je vais te faire un, un tuto de mandrill. c'est peu commun. de l'acheter. Je trouve Je c'est ah, le métal, mais j'ai plein de fucking. Ouais, ben ça, j'ai. On écoute full métal chez nous, mais on a fucking beaucoup de toutous aussi. Fait que c'est <laughs> ça. Est ça. Aye, ben comme tu sais c'est que... métalleux, on est des non-ours. Tu sais que Corps okay, Grindé, euh, Grindé est un gros fan des Totous dans les claw machines. Là, oui, oui, je l'avais déjà les, vu ça. Les... <laughs> ouais. Il collectionne les, les Totous pis il donne ça à des kits, je pense. Des kits dans tous il donne des Totous oh, euh, nice. qui accumule en tour à force de faire du claw machine. Il va, Même... il va acheter des Legos puis il les donne à des œuvres caritatives. Ouais. Hein. Il est fucking hard, Corps Grindé. Puis moi je t'avoue, être une, une claw machine. Je donnerais le toto à Corse Grandé. Je ne signerai pas avec. C'est comme ben oui. <laughs> pongler ton Toto Corps. Je ne vais pas manger un punch dans ma vitrine de Corps Grand Day. Non, mais ben moi, c'est l'absence de menton et le, le surplus de coups euh, qui, est, qui est intimidant aussi. Absolument. Très intimidant, monsieur. Puis euh, dernière fois, puis j'attendais que Dom revienne. Salut Dom. <laughs> hey, salut Max. What's tu... up? Écoute, ouais. j'écoutais votre, euh, votre top 5 des prods. Puis tu sais, je me suis dit "Hey, m'en préparer une. J'en ai une drette en tête. Puis caler ça même que d'homme." Ben voyons, <laughs> oh, c'est quoi C'était dimu. Ah, ah ouais. Ouais. Ah non, mais c'est un grand gagnant, Moi aussi j'aurais mis dans mon top. Je hein, dirais, hey, mon... moi c'est Dimu puis Crissé, uh, Kings of Carnival Creation dans le tapis man puis euh... Pour moi, cet album-là, ce prod-là, est débile mental. Hey, Kings of Carnival Creation, man, c'est dans mes tonnes de 10 Dimus préférées Ever. Là. Puis qu Effectivement, quand tu écoutes ça dans un char avant le Blast Beat final qui est juste ultimate, satisfaisant, érectile, et tout ce que tu peux dire de quelque chose de fun, crise es que ça n'a pas de bon sens dans un char qui a un peu de kick. Là. Puis là, ça part là, Ouais, 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 C'est des goosebonds assurés. Ben oui. Bon, ben, je vais y aller avec euh, mes suggestions de la semaine. Euh, right. Ma première, ça va être euh, une suggestion que Jeff va beaucoup, beaucoup apprécier. Et on va y aller dans le Mélodette européen. On va y aller avec du Morse Principium Est. Ben oui. <laughs> le nouveau, il sort. Oui, le nouveau sort euh, le mois prochain, je crois. Et un nouveau on, single? Au lieu de, au lieu de euh, pardon, euh, Gab. Ben, ben donc, il y a un nouveau single 2022. Oui, mais j'allais dire. Euh, non, non, non. Au lieu de, de, de donner un nom, je vais mettre le lien YouTube directement dans le chat. Ah, aussi. mais là, je suis dessus. Tu veux-tu écouter Valley of oh, Sacrifice part 1 Il y a un petit lyric. Non, un lyric, mais je l'ai de, de Lost Called Knowledge. Je l'aime bien aussi dans, dans les nouveaux. là. Ah, mais c'est une vieille toune réenregistrée, ça. Ça, ils sortent un album qui est. Euh... Il y a une coupe de vieilles tunes réenregistrées complètement, je pense. Exact, exact, pour leur rendre un peu plus justice. Exact, pis c'est avec les mêmes guitaristes de l'époque qui sont revenus, finalement. Ah, ça, je savais pas, ça, je savais pas, par exemple. Ok, hey, fuck, j'ai enlevé l'un 800 pouilleux pour la face à Dom. Ça, c'est tana. Ça, là, StreamYard, réglez-moi ça, ça tabarnak, de style carliste. Je sais que j'ai la version gratuite, mais là, mané, pas euh, rire des pauvres, c'est assez, là ôtez euh, bon. <laughs> la face à Dom si c'est <laughs> ouais, ça. Là, quoi, ça hein. Mais des fois, c'est plus Jeff qui est victime de tout ça. Mais... En tout cas, hey, on écoute un extrait de Morse Principium S. Là, on parle du nouvel album 2022. Et euh, moi, je ne connais aucune morse, mais juste le logo en bas de leur étiquette de reconde ressemble beaucoup trop au logo de AEW de la lutte. Je euh, guitariste, c'est ma foi excellent dans ce groupe-là. Je dirais pas que j'étais un gros, méga fan de Morse Principium, Principium Est. Ouais, toi, t'es mieux ouest? Et... <laughs> Moi, oui. Oh. <laughs> oh, sale, sale. Oui. <laughs> mais euh, <laughs> le guitariste dont j'ai oublié le nom parce qu'il est probablement trop long et trop euh, euh, de l'autre côté de la planète, pour que je m'en rappelle, mais je sais qu'il est vraiment sa coche. J'adore son tone. Euh, Puis, that's it. On va écouter un cours de tête ce, de, de cet animal mystique et majestueux qu'on appelle le morse. Oh! Très Jeff Mott, en effet. <laughs> hey. Ok! Ouais. Oh, okay. Je l'écouterai pas plus longtemps, mais ok c'est dans oh, okay. solide du oh, okay. Morse Principium Est alias MPE. Oui, ouais, c'est moins compliqué mais, de dire MPE que. Morse, tout simplement. Mm -hmm. C'est que... fucking malade. Pis, euh, ouais, ces vieilles tunes là sont excellentes. Il avait besoin d'un remaster <laughs> ou d'un enregistrage parce qu'effectivement, euh, l'album. Euh, comment il s'appelle déjà euh, cet album-là euh... Inhumanity, euh, ouais, ça sonnait pas la mort. Hey, non, guys. Mais les tonnes étaient cohérentes. Je sais que vous avez besoin de moi pour écouter des tonnes, mais êtes-vous capable de vous compter des jokes de pète? que je vais chercher une, une bière dans le frigo, genre. Ben mmh. ouais, va chercher une bière. Comptez votre meilleure joke une de pète. De... Okay. Joke de pète, hey, moi, moi j'en ai est... une estime bonne, c'est une joke de merde même. Vas-y, vas-y. <laughs> fait que c'est deux gars qui marchent, un à côté de l'autre. Puis... Euh... À un moment, donné, il arrive à un pont. Plus sur le pont, il y a, il y en a un des deux qui se pote de quoi au loin. T'sais. ils s'approchent, ils sont comme pas sûrs. T'sais. Fait y a un des premiers gars qui, c'est pas ça, il dit hey, check ça. On dirait que c'est de la merde. Le deuxième gars, il le regarde, il fait, il regarde ce qu'il pointe. Ben oui, si c'est on dirait que c'est de la merde. Le premier gars, il s'approche, il se penche, qui... puis euh, Il touche un peu, genre, il en prend sur son doigt, puis comme... Man, est comme « Man, c'est la texture de la merde Fait que le deuxième gars, il le regarde, et il dit « Ah oh, ouais? Hein? » Il en prend sur ses doigts, puis il touche, il dit « Ben ouais, c'est la texture de la marde, c'est malade Le premier gars, il l'approche de son nez, puis... Hey man, ça sent la merde. Le deuxième gars, il, dit, il fait la même chose. Mais ben oui, effectivement, ça sent la merde. Puis que là, le premier gars, il, il regarde l'autre gars, puis s'approche un peu, puis il, il goûte un peu. Il dit, ça goûte la merde. Le, le deuxième gars, oui, ça goûte la merde. Les deux gars, il, ils se ça à terre, ils s'essuient les mains, puis tout. Puis là, il, il avance, il passe par dessus le tas de merde, continue à marcher comme 3-4 mètres plus loin le deuxième gars il s'est dans le, le, le premier puis il dit euh, Chris c'est une chance qu'on a pas pilé dedans <laughs> c'est juste ça <laughs> que ah mais... oh. Écoute, mais merci Gab... Jeff pour la joke de perte euh, ouais. je suis à une joke de 30 secondes le temps est chercher. et sur ça je bois une Sony Blaze c'est -ce qui qui boit ça? de Dispensary Brewing la pochette est extrêmement funky j'en beaucoup de couleurs mais, ah ouais, ouais t'avais pogné ça quand on est allé pélouser l'autre fois. exactement Et euh, je t'écoute, euh, Max, pour la deuxième. Non, je mais suppose. écoutez, là, Jeff, il doit de joke. J'en ouais. ai une que j'ai lue ce matin, que j'ai bien aimée. Et vu ouais. que c'est le jour international de la femme, je pense que c'est à propos. Oh! On t'écoute. Je venais tout juste d'avoir la job pour accueillir le monde chez Walmart à l'entrée. Deux heures après que mon chiffre ait commencé, il y a une fille ultra laide et agressive qui rentre dans le magasin avec ses deux kids en sacrant puis en hurlant. J'ai dit « Bonjour, bienvenue chez Walmart. Vous avez de magnifiques enfants. Est-ce que ce sont des jumeaux? » La dame laide et méchante a arrêté d'hurler après ses kids pour me dire « Ben non, c'est pas des jumeaux tabarnak qui ont 7 puis 9 ans. Êtes-vous aveugle ou juste un crisse de cave? » Alors j'ai répondu je suis pas aveugle ni cave, madame. J'arrivais juste simplement pas à croire que personne n'ait pu. Une personne ait pu coucher avec vous deux fois. Oh! En tout cas, tu viens de canceller toutes tes chances de carrière au Walmart, mon chum. Mais, ah, mais c'est pas grave. <laughs> ben, je... Sur ce. <laughs> c'est pas ça. grave. <laughs> ah, je t'écoute. <laughs> <laughs> Et Attends, ah, okay. ah, bon, comme deuxième suggestion, euh, on va y aller avec des euh, sonorités plus moyenne-orientale. Mm -hmm. Et on va y aller avec un band de. On peut-tu dire folk faux... peut black metal on... on va y aller black metal euh, moyenne-orientale avec Melekesh. Mm. 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 Avec oh, une chanson yeah. qui s'appelle Sacred Geometry. J'ai mis le lien directement dans le Il a pas de lien. La pochette est fucked up. Moi, cette pochette-là de Melekech, je trouve hallucinante. C'est assez fucked up, en effet. Mon chat va sortir. Moi, je dis mets Melekech. Ça changera jamais. Moi, c'est Melekech. Melekech. il me semble. Là, j'ai enlevé à là. Attends, on, va aller, on va aller demander à Encyclopédia Métalli. Alors, Secret Geometry euh, de Melakesh, euh, ça sonne comme une marque de hache de la SQDC. Ça doit être pas mal bon. <laughs> on un extrait. Mets les caches au four, là, les caches. Hey! Tu peux l'avancer pour avoir du vocal si tu veux. Là. What? Qu'est-ce qu'on est rendu loin dans le game de Diablo et qu que zone? <laughs> non, ben ben oui, Diablo 2, acte 2. Ouais, je me <laughs> confirme que c'est Melekech. Ouais, ouais, ouais. ouais. Melekech. Hey Esch. man, c'est de la belle ça. Qu'est-ce que t'es obscur? J'aime ça. C'est quelle année le shit là? Même man? pas ah, obscur, man. C'est pas si obscur que ça. En... Euh, je me souviens plus. que 2008, peut-être. Ça, ça date quand même pas mal. Mm, Ou 2010. Excellent, Ben. <laughs> en... Je dirais que c'est entre Nile et Absu. Ouais, mais moins trashy qu'absous, mettons là, puis moins euh, moi que, que, que mais je... en tout cas moi dans ma tête, ça, ça, c'est vraiment entre les deux euh, ouais, Oui, oui, ou... non, mais je comprends, je comprends ton, ton point, c'est bien correct là. Mais, mais euh seulement oui, oui, que j'ai vu deux fois live en plus. OK Puis c'est tu déjà moyen orientaux pour vrai ou... euh, le le doute principal, il est il vient d'Israël en fait. Okay. Puis, euh, les, toutes les autres, c'est des hired guns euh, d'un peu partout. Là. Pendant un bout, euh, je pense qu'il était obligé de partir d'Israël parce que ses paroles étaient tellement blasphématoires qu'il était banni de partout. Puis, il, y avait une, euh, il menaçait de le crier en prison. Là. Ok, oui, je oui? Sur euh, Encyclopédia Metalum, euh, c'est écrit Jésus Rég Jérusalem, Bethléem, Netherlands, France, Germany. Bah, ben, bah, c'est ça. Sam Santiago qui a drommé dans beaucoup de bands ici au Québec, entre autres au Sigora au et ben des bands. ben lui il a drommé sur l'album qui s'appelle Enki. moi ouais. Ouais, le dernier qui a sorti, en fait, je pense. Ouais, Excellent album. Qui est en hey, merci 2015 pour ça. et merci. Genesis c'était en 2010, comme j'ai dit tantôt. OK, 2010, ok. Ben Chris, que... Max, euh, tu es dans. Ben, je obscur dans le sens que tu m'amènes des trucs que moi j'ai jamais entendu, mais toujours des trucs qui ont des couleurs très précises. C'est ça que j'aime, moi, ouais, les ouais. références. Tu vas toujours bon. dans quelque chose de très. Ça, c'est médiéval. Fuck you. Ça, c'est sci-fi. Fuck you. Ça, c'est moyen-oriental. Fuck you. J'aime ça, mais ben, ça n'y a pas d'impalette. Ouais. 15-Ti. Ouais. Quincy, voilà. 15-Ti. Ouais. Ou euh, chacun son expression. par exemple. <laughs> »« Ben voilà. Fait que là-dessus. Euh... Ben, j'ai fini mes suggestions. Hey, oh, on s'envoie. Ben, on là. Est-ce que c'est la pire voix ever? OK. Hey, on a un deuxième appel. Quelqu'un, ça fait longtemps qu'il a appelé. Ouh. Guys, on a notre cher Stéphane Beaulieu qui est sur oh, la liste. Ça fait quand il même, même un petit bout qu'il est venu nous rendre visite. Est-ce qu'il ça? Oh ça? Est-ce que ça va bien pour m'entendre? Ben un, un peu ouais, son ben ouais. Tu peux Ils baisser ta caméra un peu qu'on voit ça. ta belle barbe. Ouais! Yeah. ouais. Que, ouais. On son mic <laughs> un peu, man. Donne-toi du kick un peu. Ah, ben là, t'as peu, Moi, bon, Chris, c'est ça. Ah, ok, c'est à cause que je suis sur Line, genre, t'as <laughs> Ah, Chris, ça. Ouais, oh, ouais, Yeah, 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 yeah. Oh, voilà, 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 voilà. Ah. Okay. On t'écoute. Okay. Oh, hein? 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 What? Qu'est-ce qui se okay, passe? c'est non, non, c'est bon, c'est bon. Ça, 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 ça a juste glitché un bit. Hey, euh, ça fait. Salut, Stéphane, ça fait, ça fait longtemps? Ouais, ben, ça fait une coupe d'épisodes. Là, C'est ça, le mardi soir, d'habitude, à 9 h, je commence des courses à Mario Kart. Euh, puis là, j'ai décidé de bypasser un bout de Mario Kart pour venir vous parler aujourd'hui. Là, tu retournes à Mario Kart après? après? Ah, ben, je, vais, je vais me joindre tard au monde. Là. Mais d'habitude, on commence à 9 h. fait que j'essaie toujours de. de, 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 de... Tu sais, je vous écoute juste entre 8 et 9 parce que je travaille, puis j'arrive chez nous à 8. Puis après ça, c'est juste assez pour pogner les matchs ou bien, les, 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 les top 5. Puis après ça, euh, je m'en vais jouer à Mario Kart. Mais euh, un vidéo. jour, peut-être que ça ne sera pas tout synchro puis que je pourrais vous rappeler plus souvent. Mais bon, euh, là, c'est pas exactement... Euh, ben non, mais ça petit ça petit très petit exotique. Petit là, avant, tu n'as ouais, tout le ouais, temps. Ouais. Mais là, on est comme « Oh yes, c'est la fin de temps <laughs> <laughs> C'est ça, je suis là. Yes. « hey, okay. hey, merci de m'accueillir encore euh, dans votre podcast. Ouais. » euh, Ouais, euh, les prods, euh, moi je trouvais ça large. Je me suis posé ben des questions cette semaine aussi parce que justement j'ai essayé de confirmer là. Si on parle des prods avec des shows parce que tu sais justement quand tu commences à regarder des affaires comme Power Slave la tournée Power Slave c'est une crise de prod live là tu sais genre. <laughs> ouais. C est, c est, des, des affaires comme vrai. ça. Ben, le Dimmu Burger orchestral là, Disney Burger là tu sais genre ça vient à des crises des grosses prod. Ça fait que là euh, c'est ça. Euh, j'ai réfléchi quand même plus au niveau du son puis qu'est-ce qui me branchait puis là tu sais euh, faut faut y aller aussi je pense en contexte, euh, comme vous l'avez fait une couple de fois. Euh, quand tu arrives dans du black, tu t'attends pas à la prod la plus clean du monde. Ça fait qu'il faut que tu prennes d'autres éléments plus crasseux qui vont plaire à la prod. Euh, je pense que mm -hmm. ça, 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 ça change. C'est surtout que, mettons, euh, je faisais ça en joke là, euh, sur la discussion après-midi. Le, le, les les meilleures prods de dette se sont faites entre 1984 et 1987. Genre, a, oui, il y a un fond de vérité là, mais euh, c'est un contexte Aujourd'hui, ouais. euh, je pense qu'on a dépassé pas mal et de très très loin ces genres de prods-là, la les, les, les dette moderne, des affaires. Tu te souviens de nommer Nile là, juste ça, ça pourrait être nommé, là, de ouais. le dernier album. Il n'y a juste pas de bon sens, comment que ça sonne. Que euh, en tout ouais. cas, Car Sunder, c'est un, un hot. C'est des affaires comme Psychoptic aussi, euh, toujours des prods d'impact, même s'ils changent un peu la direction euh, de leur musique. L'album euh, mais était super groovy. Les autres d'après sont Christmas revenus dans les, les branches du tech debt. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. drop, ça. Naïve, psychotique, en effet. Ah ouais, On, est dans les... oh, oh, oh. Je ne veux pas aller trop dans, 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 dans le standard. J'ai goût d'aller de, de partager quelque chose qui n'a qui pas été nommé souvent au podcast, mais qui a été quand même nommé quelques fois. Que, je pense qu'on a tendance à oublier parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait trois albums en tout. Pis, euh, le, le dernier il a comme passé sous le Est radar. Est-ce que je peux pis, essayer de, de euh, deviner? Puis Le deuxième, il était fucking hot. Ouais, c'est quoi? C'est pas non, je ne parle pas de Carbon parce qu'ils ont quatre albums Carbon. Ah, ok, je savais pas. Il y en a un qui me manquait dans ma disco. Ok. <laughs> mais, oui, mais évidemment, Carbon, ce serait une l'album Meta serait vraiment euh, une de mes best prod. Mais c'est aussi parce que c'est un des best albums pour moi. Mais tu sais, genre, je veux pas juste aller dans, dans moi, Quoique, celui-là que je vais proposer là, c'est quelque chose que j'ai qui a complètement euh, changé euh, une, un, autre, un autre band qui a complètement changé ma vision euh, du métal euh, quand je je commençais à peine, finalement, à m'intéresser à, à quand ça criait, puis il fallait que ce soit raffiné, tu sais, je pas capable encore d'aller dans le corps, puis les affaires du genre à ce moment-là. Mm -hmm. année moment j'ai découvert Unexpect. Ah, ouais. Unexpect ont sorti Winvader, avec quoi je les ai découverts, mais quand ils ont sorti In a Flesh Aquarium, là, on était le next level <laughs> s'il vous plaît, et on parle d'un <laughs> ben, tu sais, ils sont sept, ils chantent presque toute la bass, ça claque à fond cette corde après ça euh, tout est impeccable le violon la voix de femme les trous les deux les deux autres boys qui s'échangent des affaires tout agencé ça pour que ça sonne puis que tout fit le keyboard au travers ah, ah, sorry Stéphane. Ah, le keyboard au travers euh, Tel, C'est tellement bien balancé, on entend tout, le détail est là. C'est un album des Neflesh Aquarium que j'ai écouté vraiment en, en boucle dans le temps que... Euh, juste après le cégep là, à peu près. Là, Qu'est-ce que c'est? Que bon. que bien balancé, pis Qu -ce... que c'est bon comme, comme ça peut, musique. Euh, comme man, puis, euh... Tu vois, Dom est parti, je sais pas si à cause de ça, mais Dom, lui, une flèche aquarium, lui, il est plus We Invaders, puis le dernier, à la limite, qui est comme plus, plus calme au niveau des arrangements, on pourrait dire comme ça. Non, mais... euh, moi, je suis avec toi. Une flèche aquarium, c'est le plus ultimate club sandwich, gras et salé d'arrangement que tu peux avoir. Il y a du layering <laughs> en tabarnak dans cet album-là. Ouais. Je peux comprendre pour certaines personnes, ça peut venir asphyxiant mais moi je connais tes goûts aussi mais de mes ramans sa femme puis moi plutôt on est du monde qui est l'asphyxie. on aime ça là on est capable d'en prendre en crise là. Un sac Comme de ma papier à la sais tête sais, ça là tu sais, je l'ai fait écouter à ma mère cet album là puis ah oui c'est la... ça tu, sais, tu ça. veux tu, veux un, tu veux un vrai sac de papier sur la tête écoute Portal puis là là t'es asphyxié là tu sais que... ouais, en, encore là ils ont réussi vraiment à faire des bons coups Portal pour une musique qui est aussi dense là au niveau de la production de... oui en effet ouais, oh, avec puis Ion Age là c'est des albums qu'on entend tous, malgré qu'on n'entend rien ça pas de la manière c'est on entend, en tout cas, c'est... Qu'est-ce des... qu que c'est <laughs> bien dit? On entend tout, on entend « fuck all. <laughs> ah, Mais C'est ça, tu sais, mais « Vexo Void », comme je vous avais déjà dit au podcast ici, c'est vraiment le plus accessible aussi, là, la, la prod aide beaucoup pour ça. C'est le premier album qu'ils ont fait, je pense, avec une prod, euh, tu sais, genre vraiment euh, plus moderne, là, sinon, il y avait des albums avant qui étaient super cool, tu sais, vraiment, mais ça restait toujours dans l'obscur, puis tu sens que... Ça a été fait dans une vieille usine, no, ben je ne sais pas quoi. Ouais. Mais ça. Euh, mais on, on va retourner, que je vais de... ouais, ouais, mettre un extrait de... Ouais, c'est ça. Ouais, je vais mettre un extrait d'un expect parce que, ouais, man, quel bon adresse <laughs> j'ai mis, fisting euh, faux. Ça, pour les chorales, dans ce tune-là, justement, c'est un bel exemple. Là. Tout est tellement Son bien balancé. Face, le petit drift qui fait... C'est comme tellement ultimate. C'est bon, là, ils sont vraiment en, forts. Encore inégalé aujourd'hui. Hein. Au niveau du fuck topness que ça représente, cet album-là, personne n'est au allé niveau, aussi audacieux. Au niveau avant-garde, c'est dans les tops. Là. C'est très audacieux. Encore aujourd'hui, c'est quoi? Ça fait 10 ans, peut-être, on est rendu vieux. Euh, si on parle de 2000, ben plus que 10 ans, là, on est quasiment euh, en 15 ans. Qu'est-ce qu'on est vieux? <laughs> <laughs> c'est 2004, 2005, là, à peu près, là, euh, si je me souviens bien. Là, ouais, c'est 20 ans. là. Ah, et puis nous -so, autres, on était drette dans le, le, la hype. Là. On venait de finir Will and Vendors, on, on venait d'écouter le single qui avait repris la tune de piano full band. On Ah yes, ils ont le, le piano full band, On, capote, ben, là. Ah, euh, on écoute un cours extrait Fisting Full on expect sur une flèche Aquarium, mythique album du métal québécois. Euh, Peut-être trop euh, underestimated dans le sens. <métitérateur> « Mais ouais, cet album-là, c'est psycho as fuck le Chris que c'est hot. On en met 20 secondes puis ça a changé deux fois de move là. Tu sais, genre c'est capoté là. La wack as fuck. Ben, c'est le Nawak sans être trop euh, juste des changements. Complètement nawak. Mais ouais c'est dans d'un sens. Mais c'était à la mode dans ce temps-là plus. Ouais. Mais tu tu regardes euh, Carbon puis tu n'écoutes 30 secondes. Là, mettons, Meta, la première tonne je me souviens même plus des titres, parce que c'est ça, j'écoute les albums, je ne connais pas les titres de toune. Mais euh, la première tune tu n'écoutes 30 secondes, puis ça n'arrête pas de t'amener d'un bord puis de l'autre. C'est ça, ma deuxième entrée, c'est Meta de Carbon ouais, <laughs> mais même, je t'avais lu quand même un <laughs> peu. <là. rire> en fait, mais ça cause que tu sais il euh, y a plein d'affaires, je suis d'accord. Évidemment, euh, si j'avais allé dans Iron Maiden, c'est sûr que Brave New World, euh, c'est pas mal la, la prod idéale là, pour cette bande-là. Je suis 100% d'accord. Great ben ouais, Supreme, Supreme moi, je suis 100% avec toi pour Dying Fetus. Meilleur album de Dying Fetus, meilleure prod, ça, sans aucun doute. Puis, euh, Dom, j'étais comme là, hey, Là, ben, je connais, j'ai rien écouté de ce qu'il a donné à date, mais <rire> <rire> quand on a pris Dimou Borger, ben, là j'ai fait OK c'est beau. Euh... <laughs> en, en effet, euh, Dimu Borger, on, on aime ça. Oui, excuse. Je suis plus sélectif dans mon Dimou Borger. Je dirais que moi, ça s'arrête pas mal à puritanical. Euh, musicalement et niveau production, même, mais je dirais que lui, avec Blanche Neige, euh, voyons comment il s'appelait déjà, Abracadabra. Euh... <laughs> avec le lait, la pub de le lait, <laughs> En tout cas, <laughs> bon, bon, euh, j'allais dire Cruella, finalement, pas Blanche Neige, excusez <laughs> Mais c'est du vrai, c'est du Disney Burger mais du bon. Disney Burger là ils sont capables ils sont capables ils étaient d'avance sur oui. leur temps aujourd'hui Ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être un falling plus aujourd'hui qu'à l'époque parce que c'était trop réservé ou c'était trop pré internet encore on le ouais. même mais ouais ben non, euh, on va écouter un extrait de Carbone quand même. pareil pareil là faudrait lui dire Ah ouais, il y a un comeback d'un Expect. Là, arrêtez de niaiser avec ça. Mais Blaze, mais... il fait des trucs de quoi soir à corps. Le violoniste là-dedans, c'est un gars qui est fucking impliqué dans la culture Blaise, musicale il, de il base. Est... Lydia Kipinski aussi. Le euh, hein. là, synth là Il est vraiment dans ce mode-là. C'est en site, mais je ne suis pas mal sûr qu'il serait game Blaze de retourner euh, sur Un Expect là, parce que c'est ça, le violoniste original avait dit. On a déjà écouté le pianiste quand il était parti, il s'était mis à faire des. Les sets avec des séquences, puis euh, je pense que ça levait moins. C'est comme tout le Ben. Les... Le, le Ben, quand il s'est mis à lever, il n'y a personne qui était prêt à ce que ça lève autant. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Là, mais, euh... Yo, la première part de Dream Theater, guys, quand même. Là. Ah ouais c'est ça. Le... Duo, premier... duo ouais. avec Mike Portnoy, man. Lendrix oh, ouais. Il est monté sur, sur le drum à Portnoy, puis il a fait un duo avec. C'est quand même. Éthique, ouais, le, le part, <laughs> la plupart du monde peuvent se vanter d'avoir fait ça, c'est du monde qui sont euh, aussi hot que Portnoy dans le sens euh, commercial. Là, t'sais. Fait que, t'sais, genre c'est hot qu'un gars de chez nous ait pu se ramasser là à côté yeah, de oui. lui. Côte si à côte euh, avec un géant. C'était qu 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 quoi qu le Ben, guys? Avant d'aller plus loin, le, on a drop avant au podcast le, le Ben du bassis actuel là, qui est un petit peu euh, plus pop. Piche, ben pas plus papiche, mais plus accessible. Euh, C'est quoi son estinon, lui Je l'ai mis dans mon top 5 bassiste. C'est ce ouais. quoi lui, son lui, ben C'est quoi son ben actuel, mais euh, Donc, écoutez, il, faisait des, il faisait des covers dans site, en tapping sur sa base. Là, pis, euh, mm -hmm. ça, il est encore très, très fort, le gars. C'est un peu comme le, wow, le bassiste de Néclar Rabbit, mais pour le Québec. Là. Ouais. Euh, ben écoute ouais. Donc, on, on écoutait un extrait de Car bomb, là vite vite. Viens, toi, là. On rigole beaucoup mais c'est ça from the dust of this planet exact c'est ça un petit truc un petit truc de 20 secondes je dis il se passe assez d'affaires pour que tu aies une idée de l'album pareil là tu sais. Ouais euh, allons-y. Ah c'est que c'est fou. Les gars tirent le temps vers l'arrière comme des hosties de cochons. Ben, tu sais, c'est comme Meshuga X-60000, là. Ça n'a pas de bon sens, leur affaire. astic c'est fou, c'est un fou, ce ben-là. over 9000. Ah, ben, ils sont déchaînés. Ben, euh, tu merci Stéphane. Je n'écoute pas assez de ce ben-là, pour vrai. Puis à chaque fois que je l'écoute, je suis comme... Mais ça n'a pas de tabarnak de bon sens, leur affaire, quand c'est original. Les sons percussifs de Git qui vont chercher à chaque album, tu fais Bon, t'as-tu touché ces tes frettes en haut de la tête, t'as touché sur ton bridge en bas, qu'est-ce que t'as pas fait? Puis tu sors un nouveau pinch harmonique, t'as jamais entendu toute ta vie, qu'il slide ou whatever, pis t'es comme what? C est, c est, oh, cet album-là est juste... Parfait, là, tu genre, il y a des... Tous les albums de carbone, il y a toujours un petit quelque chose à chigner mais Meta, il y a, y, a, y a rien, tu Mordial, l'autre qu'ils ont fait après, ils ont été vers des couleurs beaucoup plus pop, là, beaucoup plus de clean puis, je n'ai rien contre ça quand c'est bien appliqué, puis tout, mais on dirait que, on écoute du bullet for my valentine dans, à travers une tonne de carbone, ça, ça, me, ça me déstabilise dans mon style, tu genre, mais l'album, est encore vraiment impeccable, puis cette là est, est vraiment trop fort pour la ligue, là. Sur Meta, il y a aussi un, euh, un, pas un cover, mais euh, featuring euh, Frank Mullen sur euh, une ah. des toutes. Hé, j'avais euh, pas, c'est oh. intéressant de savoir. Carbon, Frank Mullen, tabarnak, ouais, carbon. Un breakdown total, c'est un breakdown dans un breakdown tellement que ça vient de Inception de breakdown, tabarnak. Funeral, Inception, breakdown. <laughs> faire ça aussi mal avec, là, mais c'est hallucinant, man. Fait que là, c'est ça. Parler de Frank Mullen m'amène à parler d'une prod un peu plus vieille. Bon, ta je... première position, parce qu'on t'a rendu à ouais. deux. Là. Ouais, ben c'est ça. On <laughs> pourrait t'enlever encore soirée, Mais je l'ai nommé aussi dans discussion plus tôt. J'ai l'impression qu'à un certain point, euh, le, le, le Death Metal classique là, a plafonné en 1995 avec Pierce from Witten. Ah, ouais. voilà. Oh, ouais. Ouais. Il y a, Il y a, on a One uh, aussi. Puis, mettons, je pourrais aller chercher The Bleeding aussi là, pour vraiment cette époque-là précise dans le Death. Mais oh, après ça, on sait. Pierce dirait que... from Witten, c'est. C'est des rip-offs de ça, on dirait. On, le le dette évolue, en effet. Le, le tech-debt, euh, particulièrement, avec la virtuosité euh, incroyable du monde. Pis, euh, mais j'ai l'impression que le book du debt il est dans cette zone-là, entre 90 et 95. C'est pas Ils fait. Ah, puis même les geeks <laughs> modernes de métal... Qui... Conclusion. Les plus jeunes mettent à l'air des pisteurs, ils tripent tout cette époque-là. Il y a même eux autres, même si c'est pas leur héros autant que les vieux pitons comme nous autres, ils sont comme, ben oui, ils écoutent du vieux stock parce que ce son-là est unique. Blood and étant la preuve de ce revival-là. Oui, absolument. On écoute un extrait de Birch and hein, Carlis de Sty. Ça son bête. Ah c'est Décrotable. Plus pire. Il Il pire. Décrotable. Elle, elle pire, est pire, c'est Indécrottable tu sais quand... Décrotable. À ma née, tu te dis la clagette joue tout seul, puis tu, tu fais genre, mais ça sonne non, mais la raie. Quand le Ben dans Rembarque, tu fais genre Ah ouais, mais c'est un truc de fréquence, finalement, tu sais Le Ben est. C'est ça, ça sonne en groupe de même. puis On s'en allait avec l'extrait, on s'en allait vers le breakdown qui était le breakdown numéro 1 à Jeff, si je me souviens bien. Le breakdown de Pierce from Written. Ben ouais. Ah, on se le fait, on se le fait. De toute façon, son spectacle, c'est la fin du podcast. C'est pas grave, on se le fait. C'était clairement une double entrée parce que Holy fuck. Il est pas bien. Il est-tu long? Il faut que j'avance? C'est mais... pas dans bonne tonne. Il est où? C'est dans, ah, ben, dans la première tonne. dans la première OK. Check bien l'instinct. Hein. Les pouilleux, les gods of Metal sont avec nous autres. Check bien. La <laughs> tonne, elle doit faire 3 minutes. Fait que j'imagine que c'est la fin de la première à 3 minutes 2. On devrait être dans ce coin-là. Ah, oh, non. C'est vrai que... Ça... C'est avant ou après le solo? C'est avant. Ah. OK. Alors, on va y aller avec une 58. On okay. quel <laughs> oh cool. oh cool. Il est tombé sur un moment vraiment nice, par ah, contre. C'est ça ouais. qui est fou. <laughs> OK, on y va avec 58 d'abord. OK. <laughs> Chant, yes. chance, oui. me semble. Là, ça vient super Ok, euh, ben garde, on va se référer à l'épisode, ouais. guys. Hein, allez écouter l'épisode des top 5 breakdown de Pouillard Destruction. Vous allez l'avoir là, c'est pas bien grave. Écoute, mon cher Stéphane, je te remercie beaucoup d'être passé encore une fois merci. à ça. Je te souhaite de gagner à Mario Kart. Ben alors Earn il est pas de... de... pour ramasser des points, hey man! De... merci du tip, m'a le pogné en fin de semaine. Deux. Ah, ben, ça cause que là, il y a une vente sur Nintendo. Oui, mais oui, il y a Il 33% de rabais, tu sais, c'est quand même pas euh, énorme, là, mais pour Mario Kart, qui est jamais en spécial, ça vaut la peine. Puis, l'affaire, si, c'est qu'ils vont sortir aussi des nouvelles courses. Ils sortent par vague de 8. Les 8 premières sortent la semaine prochaine. Fait que là, on va, on va voir, avec, on a déjà 48 courses dans le jeu. D'ici la fin 2023, il va se ramasser avec 96 courses, ça veut dire. Parce qu'ils sont ouais. des vieilles courses, des vieilles nice! courses. Et là, ça commence à valoir la peine de, ah, de remaster tous les de, vieux de, trucs. Euh, non, il ressort plein, plein d'affaires des, 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 des courses du 64, puis des versions qui ont pas pogné là, comme Grand Tour je euh, ne je sais même pas si c'est sur quelle console là, genre, mais, euh, y a-tu euh, les classiques du du euh, Super Ouais, il y en a quelques-uns là mais euh, nice. il est pas un remaster là tu sais je veux dire c'est hey, le fucking Bowser <laughs> course man. Ouais, y a, y a Mario Party, <laughs> il devrait faire la même affaire, faudrait <laughs> que sorte des vieilles maps là de plus, plus, là de plus en plus là, ça gosse en tout cas. Ouais, il faut ouais, les, les débloquer, il me semble, gars. Non man, j'ai regardé le joueur du grenier jouer avec ses chums, puis sont pas avec les mêmes crises de maps, puis ils en font oh. souvent des Mario Party, puis j'ai l'impression qu'il faut Bon, comme peut-être Mario Kart, ils vont y sortir à mesure, man, et les fucking maps qu'on veut. Il y a sûrement une coupe en lot que j'ai pas, c'est clair. Mario mais... Kart 8, il est sorti sa Wii U, puis ils ont sorti 8 Deluxe en même temps que la sortie de la Switch. Ça fait que ça fait déjà 4-5 ans, là. Puis là, ils commencent à allumer qu'ils pourrait sortir de quoi d'autre à place de sortir un Mario Kart 9 que, selon les rumeurs, serait déjà prêt à sortir. Oh oui. Étant donné que Mario Kart est encore le meilleur vendeur sur Switch, ben, ils ont juste décidé de sortir des vieilles courses, puis le monde va continuer à jouer parce que c'est le meilleur mm -hmm. Mario Kart selon moi. Et puis, bah, bah. En tout cas, on n'est pas là pour faire la Ouais, ben écoute, la écoute je te souhaite quand ouais, même un euh, bon non, Mario Kart, et merci d'être passé. Ciao euh, si mon chum. Dans à à voyeux. À voyeux, man. Cheers. Et hey, Christmas, ah. c'est clair que je vais aller jouer un peu après chaque euh, podcast. Là. Bon, moi, c'est Mario ça à soir, mais je vas peut-être aller nous rejoindre parce que effectivement en version physique, je pense qu'il a droppé de 4$. Ouais, <laughs> non, il n'a pas droppé en version physique. <laughs> moi, fuck, il est là, je vais le pogner digital, c'est pas grave, là. je le sauve sur une carte, puis au pire, je le mets sur un disque Non, c'est correct, c'est juste moi que, tu sais, quand je, je regarde mes jeux, j'aime ça euh, quand c'est possible. Anyway. Ouais, je veux bien, guys, ouais. vous unlock des fucking maps de Mario Party, mais on s'entend-tu jouer à Mario Party tout seul, Tu es rendu là, je vais regarder de la porn, là, je veux dire. Je, je, je jouer à Mario Party tout seul, Chris. Je, ouais, voilà. comme, ouais, ouais. En tout cas, ah. je me comprends dans ma métaphore. Je, je... Ouais, Ron, <laughs> Ron Moi, Mario Party, qui était ce Bon, ben, merci, guys, mes chers collaborateurs, d'avoir été ici ce soir avec moi, évidemment. Un autre pouvoir de destruction bien réussi, une autre belle ligne ouverte réussie. Et on se revoit mardi prochain, même heure, 19h. Et on se situe le samedi 26 mars avec les Gros Barbs Merci beaucoup d'avoir été là, guys. C'est le temps de Pouillot de destruction.